Oğlum. Bak onu. Böyle diyeceğim belki. Aa. Sonuçta bu için son bir alevi sürekli o. Favori filmlerim kuş. Ah. Tellement. Et là maintenant, il faut que je reclique sur rejoindre. Alors, les prostituées. Bon, on va se le faire, c'est ça le prix de sirène. Ils se foutent de ma gueule en plus. Les sirènes? Non, le squelette. Ah. Je suis là. Pour la première fois de ma vie, j'ai rejoint le bateau sans être en prison. Par contre, je... Ah, oh, c'est rigolo, j'étais en laser. Alors, j'ai quoi? J'ai ce truc-là. Ah. Ah bah, si tu passes devant mon chien aussi. Hein. Oh, monsieur, ça peut être compliqué. Hop, on avance. Merde, je vais tirer dans la tête. Bon bah je tire plus hein, vu que t'es dessus. Et rechercher des balles. Bonsoir Koslo. Voilà. Bloup bloup. J'aime bien le bruit que ça fait quand tu tires dans le... Aïe. Et le 1. Non pas le serpent. Non pas le serpent non plus. Celui-là, celui-là, celui-là. Non arrêtez de tirer avec des pistolets, vous êtes des méchants avec vos pistolets. Putain comment il m'a projeté là? Eh, hey, il y a un Thierry avec un pistolet là qui se casse. Ouais, j'en ai un autre pistolet là. Voilà. C'est le capitaine quoi. J'en ai eu un capitaine et là j'ai le deuxième. C'est le troisième moi. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y en avait un autre avec un pistolet en fait du capitaine. Mais pour ça que je vais le frapper. Allez, on a fini? Ah, celle-là. Wouhou, on a fini. Dès qu'on a posé ces saloperies de squelettes, faudra chercher s'il y a des sirènes. À l'assaut. Ça a pas eu. T'as pas dit l'heure, Ken. Non. On s'est pas donné d'heure. Bon, j'ai réussi un café. Hop là. J'ai assis l'heure que je partais manger. J'ai mangé. Je me suis endormi. C'est quoi ça? C'est Céleste. Ah, pardon. Comme dirait Free, mais oui, je vois qui c'est. C'est Céline. Hein? Céline. Oui, on parlait avec Céline. Hein? Oui, j'en ai un. Je pense que j'avais pas reconnu pour une fois. Oui, je vais te faire du spaghetti. Je dis à Silver, ben je sais pas, Free l'avait avec Céline, dit qui? Céline? Non? Ça n'existe pas. Ça existe pas. J'aime bien, mais ça existe pas. Est-ce que je viens de trouver dans l'eau? Attends, j'arrive, t'es où? Waouh! Posé. Il y a peut-être une sirène alors. Oh, j'ai envie de lui marquer une connerie. C'est tellement plus agréable de ne plus avoir les cheveux dans les yeux. C'est sûr, c'est plus facile pour sucer. Oh. Oh putain, j'ai le diable au cul ça. Queue au cul? Eh ben, je redis au bout de la queue, moi. Oh, mais c'est pour la faire aller. J'ai ramené un crâne, je l'ai posé où? Moi, je les ai mis sur l'étagère. Oh oui. Je t'ai entendu le poser, mais je dois bien t'avouer, j'ai pas cherché où tu l'avais mis. Ah, je crois que j'ai mis en haut. Ah ouais, il est là. Avec son copain. J'ai 12 à côté de l'encre. Ouais, moi la dernière fois, j'ai voulu en ramasser un comme ça, je suis allé trop vite, j'ai posé l'encre. C'était pas trop prévu. Je fais des crânes parce que je suis à... À moins de 7 quêtes d'un succès. Ah. J'aurais fait 100 missions. Je vais pas regarder ce truc là. Je suis juste au feeling. Est-ce que j'ai envie de péter des trânes? Est-ce que j'ai envie de chercher des corps? Non, les crônes.
plus sympa. Bon, des fois j'aime bien l'écho. Ah, j'ai une sirène bleue. Par contre, cette pute, elle est profonde. Hein. Ils veulent pas nous les mettre comme ça en pleine mer tant qu'ils y sont là. Et apparemment, si tu te recules bien, pas comme il faut d'un pixel dans la vie de bord, tu peux taper la sirène sans prendre 0 dégâts. C'est-à-dire que la solo, au final, la route, tu peux la faire solo. Ah oui, là j'ai pris 0 dégâts. Quand tu l'as dit, j'ai bien reculé et j'ai pas pris de dégâts. Bon, bah je crois que là j'ai fait le tour. Presque. Ouais, je tombe de deux. Je suis où ? Dans l'eau. Oui, non, mais je voulais voir par rapport à l'île. Espèce d'hypatate ! Je sais bien que je suis dans l'eau. Dans l'eau un peu profonde ou profonde ? Ah, bah là, j'étais au fond, au fond. C'est comme hein. Dit, Afri, l'eau, elle est sec ou sèche ? Elle est sèche. C'est le nouvel event, les sirènes. Faut casser des sirènes. Après avoir cassé le cul à des squelettes, on casse le cul à des sirènes. Chacun son truc. Je vais demander à ma fille voir si elle répond juste à ça. À quoi ? Est-ce que, je demandais à Fruit, il s'est trompé. Est-ce que l'eau elle est sec ou sèche ? Bah, aucun des deux. Oui, le Fruit, bon, elle est sèche, parce que c'est féminin. D'accord. Alors, William. Après, c'est de la persuasion, parce que tu lui dis. Un bébé, ça boit du lait, toi au matin tu bois du lait, la vache elle boit quoi? Et forcément, quand t'as entendu trop cafoualé d'affilée, mais non, peut-être tu bah, réponds au lait. Techniquement, quand elle est bébé, elle boit du lait, la vache. Hein. Mais dans ce cas-là, on appelle ça une génisse, c'est-à-dire qu'elle a moins de 6 mois et qu'elle s'est pas encore fait prendre, ou après on appelle ça un veau. C'est un veau, une génisse, une vache, et à partir du moment où c'est divisé de la génisse et que ça devient un taurillon, un bœuf ou une vache, c'est à ce moment-là, à partir de 6 mois. Jusqu'à 6 mois, c'est un veau ou une génisse. Une génisse, c'est une femelle reproductrice. À partir de 6 mois, ça change de nom en fonction de ce que tu veux lui faire faire comme métier plus tard. Boucherie ou élevage. Miam miam. Mon grand-père était agriculteur. Ouais. Génisse, c'est celle que tu vois dans les champs, là, moins de 6 mois, qui se grimpe sur le cul, là. Ah oh oui, vas-y, prends-moi. On commence au niveau 40, 37, 35 aujourd'hui. Bon, le 35, j'ai fait pile poil le milieu. Foot. Moi, je me fous des ornières. Je ne vois pas plus haut que 5 cm de l'écran et pas plus que 3 et 4 de chaque côté. Comme ça, si un fort, je ne vois pas. Ah, si, fort. Ah, ouais, tente bien des pros là. Faut pas qu'on perde la main. C'est pas drôle, c'est cool les forts. Ouais, j'ai fait 50 là. C'est bien. Ouais, non, sûrement pas. Je sais même pas où c'est que tu vois ça, en fait. Et quand tu fais Ordre des âmes, c'est le dernier en bas à gauche. Assaillant de place forte maudite. 13 Non, c'est pas en bas à gauche, c'est l'autre d'à côté. Chasseur de crânes de forteresse. C'est le nombre de crânes de forteresse que t'as ramené. 13 c'est le nombre de... J'avais regardé le bon, en fait. Ouais, mais... Par contre, j'ai fait 21 forteresses. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. C'est comme là, ils ont enfin débloqué et éliminé les équipages de squelettes. Le deuxième ligne, quatrième en partant de la gauche. À un moment, il est resté bloqué longtemps celui-là. Et en fin de compte, si j'ai bien compris, les équipages squelettes, c'est une vague. Oh. Ah oui, équipage de squelettes. 70 équipages de squelettes. Je suis déjà niveau 2 en fait. Ouais, et à un moment, il était bloqué. On pouvait pas le valider, rien. Eh oh les chats, retournez dormir au lieu de vous battre là. En fait j'ai les, chez les squelettes j'en ai validé qu'un. Gagner 150 000 or machin truc. Eh ben si on fait 18. Où est-ce que j'en suis? Il faut j'achète des voyages pour faire le dernier. Ah ouais, moi en voyage j'ai que des coffres. J'ai que des crocs et un coffre. Tu vois que t'as pas que des crânes. Ouais, je garde un coffre au cas où, mais c'est vrai que là, j'aime beaucoup les coffres. Puis je trouve des coffres partout avec cet event. Je préfère focus autre chose et ramener les coffres en bonus. Regarde, on a déjà fait
On a trouvé un crâne et un truc dehors déjà. Un œuf à berger. Mmh. C'est pour ça, tant que je pense que jusqu'au 25 juillet, tant qu'il y a l'homme de sirène, je vais privilégier les crânes. Mmh. Moi je m'en fiche. Un peu de challenge. Parce que trouver les saloperies de sirène, là, c'est pas suffisamment du challenge, surtout les rouges, quoi. Mais là, genre, t'entends... Hop, tu plonges à 30 mètres sous l'eau, là. Ils peuvent pas, parce que ces abrutis, ils ont pas pensé à faire un fond. Donc ils peuvent pas faire plonger les gens, puisqu'il y a pas de fond. T'as fini de ronchonner, oui. C'est la fac des Mariannes, mais sans la Marianne et sans... Quand on la tourne, la voile, le vent il est de l'autre côté. Ouais, ok. Décidez d'être contradictoire. Je vais faire du café. Il y a un truc, il a grogné à l'arrière du bateau. T'es retourné voir les îles sans nom? Bah non, je suis juste cool. N10 à 14. Bah il y avait aussi celle que j'avais trouvée tout en bas à côté de Shark Beko. Putain, le bruit d'eau qu'ils ont rajouté, il est vraiment... perturbant. C'est que des feuillus. Allez, go éradiquer la mauvaise herbe. Oui. Ouais, musique. Ouais, dernière fois, je jouais avec la clochette pour essayer d'avoir un instrument, moi aussi. Mais je pensais que c'était un bug. J'entends la clochette de partout. C'est comme avec la dernière fois, je me suis tiré sur le fort, la pétard mouillé là, mon perso il a fait un mètre et il est tombé dans l'eau. Celui-là il doit être bien relou fort. Oui. Tu l'as déjà fait toi une fois? Moi non. Non, jamais. Ils doivent tellement savoir qu'il doit être casse-couille qu'ils peuvent jamais, quoi. Et d'un côté, il doit être casse-couille pour si on se fait attaquer, mais après, hein, regarde, tu te gardes juste devant la porte d'entrée, là, où il y a les deux tourelles, et ils viennent forcément d'en haut et ils viennent dans l'eau. T'as juste à les attendre. Mmh. Par contre, tu vois pas du tout les bateaux arriver s'ils se calent bien derrière l'île. Hein. C'est ça. Surprise, motherfucker. Non, ça va. Je vais télécharger les musiques des Softy sur mon téléphone, je les écouterai. Boucle. Sadique. C'est bizarre qu'il y ait personne qui voulait jouer au piano celle-là. Regarde, j'ai pas trop cherché, mais. Ça, c'est la prochaine chose de perte de temps que je fais dans ma vie, quoi. Apprendre à jouer du piano. T'es pas déjà en train d'apprendre à jouer de la musique avec Ellie? Ouais, ça fait deux mois qu'on s'est pas prouvé. Hein. J'en reparlerai à nous, t'as l'IRL. Mmh. Ouais, mais jouer de la gratte. Une gratte de plage, là. Trois accords, hein. Vas-y que à la Christophe May. Oh, t'en as pas besoin de trois pour Christophe May. Oh, une étoile filante! Il a fait plouf dans l'eau. Non. Si, regarde, plouf dans l'eau. Tiens, il y a un bateau qui a coulé. Mets-toi dedans, on va pouvoir récupérer les... Ah ouais, je l'ai eu!
suis con. C'est pas le but de la voix. Putain. Eh, je suis plus dans le bateau et on va s'écraser. Ah non 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 non. Non, j'ai con, j'ai tourné là. Bon bah je reste en bas alors. Ah, il a fait deux trous l'enfoiré. Mmh. Trois trous, putain, trois. Arrête de faire des trous. Là, il faut que tu braques côté gauche. Oui. Pour revenir vers la plage. Attends, je suis en bas, moi, je fais de l'eau. À gauche. Ouais, ou tu continues à braquer à droite, là, pour revenir sur Bah, à droite ou à gauche? Bah, à droite, puisque maintenant, t'as déplacé la moitié du cercle. Il est mort. Je peux venir sur l'île. Je vais te faire des signaux. Alors SOS. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1. C'est l'île ça? Oui, c'est l'île là. C'est une des trois là. Je vais chercher l'eau qui est au fond du bateau. Moi. Encore des trous là? Non. Par contre, il y a un kraken qui se reproduit là. Le bruit là. Il est chaud, ça. Ah, laisse-le faire ce qu'il veut, le kraken. Ouais, je veux bien le voir, bien lui dire bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Va pas me le vexer. Oh, je peux rester où il est. T'es méchant avec ce pauvre kraken. Ça te va ou je l'ai bousé là le bateau ou c'est pas bien? On s'en fout, ok, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça qui brille au fond de l'eau jaune? Putain, il y a une coupe. Sirène. Non, il y a une coupe. Oui, bah oui, tu vois, c'est ça. Hop là. Bon, bah, on va aller poser j'ai ça. Trouvé des crânes. 4 de plus. Lagoon point. Non, mais t'as dit que tu voulais des crânes alors. Il y en a 4 ici. Je vais déplacer le bateau. Il y a un truc qui brille en dehors de l'eau à l'extérieur. Je suis sous l'eau à la charge d'une sirène et j'ai vu un truc briller en dehors. Truc sur l'eau ou quoi? Ah oui, le web. Il a disparu où, machin qui brillait? Je le vois. Il est sud-ouest. Attends, je suis en train de bugger dedans ou quoi? Attends, il y a deux secondes, je voyais un truc briller là. C'est un zeft. Oui, il est là, il est là, il est là. Ouais, nous aussi, oui, on aime bien. Je suis venu en bateau. Je suis là. Oh, il est là. Oh, oh, le bateau. Oh. Oui, j'ai plus de voile là. Mais c'est moi et je suis derrière toi, je te suis. Ben oui, je braque. Mais. Tu t'amènes les cornes. Je l'ai eu. Regarde, c'était ça. Y a un bateau qui a coulé ou quoi ici? Je sais pas, j'ai bien trouvé moi sur Snake Extra. Là, là. Voilà. Bon, par contre, j'avais l'impression d'entendre une sirène moi. Ouais, rouge. T'es heureux de le savoir, t'as hein pas... T'as des bananas? Non, pas sur moi. On va le faire à deux, hein. Bah attends, je vais chercher des bananes, sinon ça sert à rien. Je vais sur la petite île en attendant. Ah, je dirais qu'au final, c'est sur la grosse. J'ai la musique pas loin du bateau. Cool, on va pouvoir les canonner. Ah non, c'est la petite île.
C'est la petite île. C'était pas ça le chant? On fait la sirène avant ou après les squelettes? Oui, j'arrive. Oh bah si on nous coule, autant qu'il y ait 4 squelettes devant. Hein. Oh, tout de suite. Ah, elle est par là-bas, mais elle était bien profonde, si je me souviens bien. Apparemment, il y a elle pas 3-4 minutes. 3-4 minutes tout seul. T'es où? J'arrive, j'ai 100. Bah moi je remonte pour respirer. Ouais, elles font un sale bruit hein. C'est une moine tibétaine. Donc si on se met assez loin, on prend pas de dégâts, donc on aura que les dégâts d'apnée, c'est ça? C'est ça. Ah, sans déconner, ça marche quoi. Si je la tape, tu vois. Moi aussi. Là, je sais pas trop sur quoi tu tires, mais. Ah bon, oui, d'accord. Okay. Ah, tu peux plus y jouer? J'aurais besoin de manger ma banane, t'es dans les parages? Oui, je suis à côté de toi. J'en mange une aussi parce que du coup le roquet m'a fait super mal. Je reprends. Le pire c'est qu'on va y arriver à deux quoi. Bah là j'ai plus de banane hein. C'est la fin. Ouh, bah tu vois c'était la fin. T'as remarqué, on s'asphyxie un peu, je crois. Ah, c'était le Game Pass. Bah, surtout que maintenant, il s'améliore, donc... C'est sûr que ça donne plus envie d'y jouer. Au début, c'était pas trop ça, quoi. Bon. Kebal, il y en a encore une rouge. Ça a l'air de te faire chier, Royal. Non. Ouais, mais il faut aller... je suis à zéro banana, j'ai plus de balles pour les requins, il n'y a plus de bananes. Bah, on va en chercher sur l'île. Par contre, je vais me mettre sur l'île 2 secondes et je vais aller allumer la lumière si je le vois, rien du tout. Et comme d'habitude, je suis pas doué quand ça arrive à ce moment-là. Sur l'île aux squelettes. Bah alors, ils ont pas de bananes les squelettes? Bonjour. Ah, ils ont des barils. Oui, l'île aux squelettes, qu'on doit faire. Oui, bah t'aurais pu prévenir qu'ils avaient des barils! Foiré de squelette. T'as pas posé la question? J'ai pas posé la question? C'est pas possible. Et ça a des tromblons en plus. Ça, ça casse-couille, hein, les squelettes. Oh, Clams, fais-moi pas chier. Et je veux pas des planches! Ah, c'est des planches, parfois. Voilà, non, c'est des bananes. Kibble, c'est des or. Oh. Vous avez un baril avec vous ou vous êtes juste des casse-couilles? Ouais, c'est juste des casse-couilles en fait. Bon, je me fous dans l'eau et je vais allumer ma lumière. Donc, ils arrivent. Oh, il est pas vraiment réaliste le jeu, je ne crois pas, non. Pourquoi il se casse, c'est comme squelette? Il faudrait des rouges et des vertes, moi, pour finir, tu vois. De quoi, les rouges et vertes? Une verte et 5 rouges, il faudrait. Bah là on en a déjà une nouvelle de rouge. Tiens Clams, tiens, souffre. Tu les sens tes vertèbres là, comment elles prennent cher. Oh c'est moi ça. Le bateau il bouge. Bah on a pas mis l'encre si. Si mais comme on avait tout mis, on est...
J'ai commencé à tirer alors que... Aïe. Top bouger là. Celui-là, il était magnifique. Tu viens? Allez, viens là. Il en reste un? Oui, il en reste un. Par au bout dans l'autre sens. Je vais chercher la suite. Magnon, 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 magnon. C'est des capitaines. Ah, tu les fais plus au canon? Je crois qu'il y en a plus que d'un canon, c'est un moulet. Ah, d'accord. Ah putain, il y en avait un dans mon dos, je l'ai pas vu. Je trouve qu'on dirait un simulateur de pirate. J'ai freeze totalement. En or, il faut un coup de feu. Ah. Non, pour ceux en or, il faut... Ah merde, t'as crash. Pour ceux en or, il faut les mettre dans l'eau, il faut taper dans les parties où il n'y a pas de... d'or. Donc dans le dos. Sauf que quand t'es tout seul, c'est pas très pratique. Donc au final, les boulets de canon, c'est bien. Petit boulet de canon dans sa gueule, là. Prouf. Il est tranquille. Bah au pire on peut rester un peu de temps sur cette île là, vu qu'il y a un bateau qui a coulé, on peut aller lui piquer ses ressources de l'autre côté. Enfin quand tu seras revenu. Parce qu'il était plus là. M'abandonne en plus. Non mais je vous jure. Ah, je vais poser mes compos moi avant de redescendre. Ah bah oui, plus de bananes du tout. Tant que tu reviennes, je pourrais me recharger après pour la série. Oh, tiens, ça va lever l'encre, mais le temps que ça, ça se fasse, je vais faire une fin de café. Du café, du café. Elle est où mon arme là-haut? Quelette, 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 quelette. Ça va? Mais ils font chier à te bump maintenant là. Mais laisse-moi tranquille. Comment il m'a enchaîné celui-là? Waouh. Non, pas le serpent non plus. Non, il va me tirer dessus. Oh, enfoiré, m'en doutais. En fait, je stream sur les deux en même temps. Ils sont casse-couilles un peu les squelettes là. Mais de toute façon faut qu'on reste pas trop loin dans l'avant-poste parce que quand Ken... Oh putain, j'ai chopé la connexion. Quand Ken va arriver on va devoir les rendre. Et s'il va dire ah ils sont tous sur la safety, je vais y aller. Oh. C'est pas dit. Au petit rire là c'est... Ah non. Je sens bien qu'il veut faire de la sirène pour ça. Je vais aller à la piscine, il y aura peut-être une sirène de côté qui est très loin, non? Ouais, avec du poisson. Mais donne-la mon arme, une petite contre perso. Bah là, le jeu, connecte-toi là. Quand tu me trolls et que tu vas te laisser connecter, tiens. Mais cet enfoiré, il a remangé une banane. Elle va jamais y arriver à les tuer là. Bah c'est bien, dépêche-toi donc. Ouais, je m'allume le cul là. C'est bon. Ouais, j'en ai eu un, j'en ai eu un. J'en ai eu un. Ah mais moi j'ai plus de vie. J'ai un poulailler. Ouais.
peut mettre un serpent dans mon poulailler. Ah merde, il reste un squelette. What? Il y a un serpent qui m'a craché dessus. Haha, c'est le karma. Oh non. La, la même chose que Twitch. Sinon, tu dois l'avoir en dessous dans les carrés que j'ai préprogrammés. T'as juste à cliquer dessus. D'où c'est comme Thierry. Eh hey, toi, t'étais planté en train de faire ton café, hein. Ah non, le jeu a crash, c'est pas de ma faute. Oh. Elle veut des preuves. Il n'y a pas de crâne. Hein? Il est où le quatrième? Oh le fail. Ah, cours ! T'es un danger public, moi je me casse. Merci pour l'abo. Merci pour le sub, pour être précis. Bah, moi je ramène déjà un poulailler, j'arrive pour chercher les trucs après. Alors le requin il s'est pris un baril. Et il va bien. Il va très bien, il va sur toi. Bah, je suis plus dans l'eau alors il va être déçu. Hein. Bon. 1, 2, 3 crânes. T'en as tué un ocre, squelette? J'en ai tué un à quoi? À l'encre, non, à l'encre, j'ai pas fait. Non, en haut, ici, là. T'en as tué non, un non. Je crois pas. Hein. Là, il y en avait bien 4 là. Ah, oui, il y en avait 4, oui. Un crâne, deux crânes, trois crânes. Les jambes. Cassez-vous les herbes, on voit rien. Quoi? Ah bah là, il y en a un là. T'en as ramené un là? Oui, j'en ai ramené un. Bon, oh, bah c'est bon, j'ai trouvé le dernier. Mais t'es méchant! Je voulais faire. Casse-couille! Ah ouais. M'abandonne! Mais non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais venir sur toi, mais le temps de. La voile a pris le vent, ça m'a emmené à 30 000 lieues là. Pourtant, c'était braqué. Mmh. Un crâne. Wouhou! Bon, on va faire une sirène sans banane, ça se dit bien. T'as pas de banane? Bah, j'en ai mis dans les coffres, mais bon. Elle est pas très profonde, donc au pire, toi, tu continueras à taper, tu boufferas des bananes. Moi, je ferai les allers-retours pour respirer. Tant qu'il n'y a pas de requin. J'en ai 5 bananes. Ça va. Allez, elle est juste sous le bateau normalement maintenant. Ouais, je la vois, je vais remonter. Tu remontes tout de suite, toi, respirer? Oui. Ouais.
y arriver. Ah, faut que tu remontes. Pareil, je prendrai que s'il y a vraiment besoin pour... Tu vois pourquoi là je suis plus loin et voilà, ça y est, là il veut bien retaper. Ah mais là je reprends des dégâts, c'est pas normal. Ah, il y a un requin. Le requin il a pris 2 balles. Hein. Pourquoi le jeu a bougé tout seul là? Pas le jeu qui a bougé non, tout c'est seul. Quand le requin est mort. Ah, j'ai pas de banane. Je suis en train de mourir. Bah, remonte. Le requin m'a poussé sur la sirène cette fois. Non, mais c'est qu'ils sont de mèche. Ça y est, tu retapes dessus? Ouais. Attends, parce qu'elle a pas respiré à fond, c'est ça? Ah, je suis déjà en train de me noyer. Bah si tu respires pas assez, oui, ça repart. Il y a un requin derrière toi. Ah, putain, et j'ai plus de soin. T'aimes beaucoup le requin. Il a pris 1 balle. Il a pris 2 balles. J'ai plus de balles, donc je retape la sirène. Ouais, c'est bon. Tape dessus là. Ouais, je suis dessus. Je remonte. Si on pouvait avoir la paix quelques secondes, là, ce serait sympa. Je remonte. Vas-y. Ouais, le moindre pixel, c'est... On arrive à la fin en plus là. T'es dessus? Ouais. Et 100 balles à 100 bananes. Ouais. Et à 2. Ouais. Bon, je me fais le tour de l'île qui t'a crevé. Et il y a des barils de l'autre côté dans l'eau. Si on veut les décompos. Cache ta motivation. Cache, cache. Plus profondément encore là. Voilà, moi il y a la petite musique apaisante. J'en dirais bien que j'ai un requin dans le cul là, je sais pas pourquoi. Tiens donc, un requin. Mais bon, plus les barils. Bah, ils ont peut-être coulé avec le temps qu'on a mis. Non, tu viens pas me manger. Oh, il m'a mangé. C'est vrai? Oui. Mange-moi aussi, j'ai plus de points de vie. Méchant. Let's go. Plouft, plouft, plouft.
Bah, je vais faire le tour de l'île dans l'autre sens. Hein. À la recherche d'une sirène à qui péter le cul. Pardon, perdu. C'est pareil, à vrai dire. T'es casse-couille, toi, hein. Va voir, réagir si j'y suis, le sourimi, le sushimi, là, la sushi à la con, là. Putain, y'en a deux, en plus, oh. Trois. Eh oh, c'est pas fini, oui, là. Non. Kebel, ils m'ont mangé. Qui? Les requins. Il y avait trois. C'est pas vrai, c'est du harcèlement. Pourquoi il s'appelait Dominique Estroscal? J'ai pas demandé. Maintenant tu peux mettre Weinstein aussi hein, si tu veux vraiment y aller. Playton McAfter. Les connards de requins. Hein. T'as voté? Voté quoi? Ah non, tu m'as pas dit qu'il fallait voter. C'était facile celle-là. Et non, je suis allé replonger faire le côté de l'île que j'ai toujours pas fait. J'aurais pu faire pire, j'aurais pu dire Dieudonné ou quoi, c'est pas l'autre connard. Seymour. Non, Soral. Ah. Mais c'est pas mal aussi. On peut voter pour ces trucs-là. Je croyais qu'il fallait juste pas les écouter. Dieudonné, Soral, il était pas sur une liste électorale de sionistes ou je sais pas quoi. Alors là, vu ce que je m'intéresse à la politique, moi. Ça m'étonnerait même pas. Bah avec leur ego, oui, c'est sûr qu'ils ont dû vouloir essayer d'être élus. Hein. Déjà qu'ils essaient de se faire écouter alors qu'on n'a pas envie. Hein. Ils font chier, quoi. Que je suis une bonne bite là, ils vont me casser les complots. C'est d'une façon de voir les choses. C'est bien, c'est qu'avec toi, tout se résume à une bite en fait. Oh bah oui, moi, tout mes... j'aurai tous mes soucis en bille. Je suis énervé. T'es un bonobo. Et... pardon. J'ai moins de poils quand même. Ah, oh, j'espère pour toi. Hein. J'en ai pas. Si, t'as dit que t'avais ta barbe qui arrivait jusqu'au téton. Non, mais juste la barbe et la trace viking, c'est tout. Après, le reste, c'est une question. Bon. Non, t'en entends de la musique, mais c'est plus la même. C'est une espèce de cornemuse bizarre, là. Ah non, pas encore, un requin, un ras-le-cul des requins. Suffit les requins. Bon, il est où le bateau? Bateau! Sur l'eau. J'espère. Parce que sous l'eau, on serait dans la merde hein, quand même. Pourtant, on y arrive souvent. Non, pas requin. Tout loin. Pas requin, pas requin, pas requin, pas requin, on a dit. Hein. Ouais, ça va. Bon, c'est pas souvent qu'on coule. Toi qui dis ça? Ouais, mais on en a vu plusieurs bateaux, sous. Ouais. Pas les nôtres, forcément. Ça dépend qui que c'est qui est sur le bateau. Oh. J'ai vu un cochon sous-marin. Ouais, tout à l'heure, il y avait un serpent qui faisait des bulles. Il y avait un serpent qui faisait des bulles. Ah oui. Tout va bien sûr.
C'est mignon, un serpent qui fait des bulles. Et tu veux le récolter, tu mets trop longtemps sous l'eau, il meurt. Mais lui, par contre, il peut rester un apnée 40 ans, aucun souci. Ça suffit, hein. Devenir parano, moi. C'est bon, je suis sur le bateau. Oui, je sais, je me trompe. Je vais voter. Oui, je vais voter, mais on n'est pas déjà une quête à faire. Je vais voter. J'ai fini la quête. Bah, on en a trouvé une avec 4 je sais pas quoi, non? Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais je sais pourquoi j'ai fait voter. Pourquoi? Les maïs. Ah. Bon, je vais faire la carte. Même si je fais pas de quête et que je me promène, il faut toujours foutre une quête pour faire les maïs. Voilà. Ah bah tiens, 4, elle est bien fournie celle-là. Ouais. Lockwood Point. Crack and Falls. Second Grove. Attends. Croc Solo. Mais t'es pas possible. Ça. Comment ça, Croc Solo? Derrière nous, Croc Solo. Le coup de point en bas. Et t'as dit quoi après? D'accord. Second Grove. Second Grove. Ah, c'est ça, Second Grove que j'oubliais. Attends, celle-là, qu'est-ce qu'on y va? Elle est par là, celle-là, non? Là-haut. Try Rock Ice. Ok. Voilà, hein, et puis Alors, Lockwood Point, c'est au sud complet. Et après, Croc Solo, c'est dans notre cul. Tout le reste, après, ce sera dans le nord. La voile, capitaine? Bah, je sais pas, quand t'es prêt, quand t'as ta direction. Oh, oui, bah, c'est un sloop, hein. Retourner, ok, ça quand tu veux. Hop, moi, celui-là, hop, ça l'a fait. Ouh, c'est quand que je veux, c'est quand que je veux. Hop là. Hop, putain, non, on veut du vent. Prends le vent. Il est parti. Ah oui, on va aller tout au sud. Tout le vent. Ah, mais c'est sud-sud-ouest. Non, sans le vent, faut dire. Et on va la voir, là, c'est sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. Non, ça va pas. Non, sans la tempête, par contre, ça, c'est caca la tempête. Hein. Bouh, non. C'est chiant, faut écoper et tout. 4 squelettes, 3 fantômes et un normal. Vite alors, faut qu'on arrive quand il fait jour. De l'Asie qu'on s'ennuie. Hey, amenez le rhum, les femmes, les prostituées, en avant. Ouais. Toi qui sur mon pont. Ouais. On a plein de vent. Tu veux des bananes? On va sur l'avant-poste. Ouais. Ah Belly, I can fly. Ah, I can cool aussi. Quand t'es plein pot, il faut vraiment viser à l'opposé. Ok. Hubert est déjà là. Alors l'île est vide apparemment. Ah non, c'est bon, il y en a. Faut que je trouve des boulets aussi, on a dit, hein, si possible. Oui, pour 50 pesos, il me faut encore 35 sirènes. Ce sera fini. Des boulets, s'il vous plaît. L'aumône pour des boulets. Putain, y'a rien. Y'a des bananes et des planches sur cette île. Ah. Ça y est, on est trouvé. Bon, pas beaucoup, mais bon. Ça a déjà ça de prix.
plus, il m'a envoyé sur une île où il fait un temps de chien. Hein. On m'a dit engagez-vous, engagez-vous, il fait un temps de rêve. Mon cul, ouais. Ah bah parfait, j'ai même pas besoin de prendre la sienne, je me suis coincé dans le décor. Clac, dans le bateau. Ah putain, je le referai plus souvent ça. C'est beaucoup plus rapide. Elle n'a pas besoin de se mouiller le cul. Par contre, il y a de l'eau dans le bateau. Ok, tu t'en branles. Attends. C'est bon, il n'y a plus d'eau. Les culottes. Ils sont en haut comme d'hab. Bingo, c'est que des ors. Oh, il y a deux barils dans l'eau. Ils sont où tes squelettes en or? En haut, t'as dit? Oui, en haut. Carafe, ils sont. Allez, les deux squelettes à barils, viendez. C'est pas où qu'on passe. Bon. Non. Par là, ouais, par en bas. Non. Par là en bas, par. Hop, ça arrive, y a regarde. Hop là, voilà, ça arrive. Allez, on vient. Allez, on se bouge le cul. On fait plaisir à maman. Voilà. Attention. Oui. Ah, j'ai dit attention. Tu vas pas te plaindre, ils sont morts. Ah non, d'accord. Il est pas aussi près le second baril qui arrive dessus. Ah, il y avait un autre. Oui, un autre baril. Je te dis non, il m'intéresse pas les squelettes, je vais aller sur Kibel. Il y a déjà un des capitaines. Ok, je me casse, moi j'ai bouffé ma banane, je reviens. Ah non, ils m'ont tué. Oh, redonnez-moi les barils, je préfère les barils. Je t'ai entendu. J'ai rien dit. Si, t'as pensé très 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 fort. Ça a fait écho dans le bateau des morts, je t'ai entendu. Eh oh, tu l'as même écrit. Un jour, on devrait se faire un Fortnite à boire. Celui qui meurt sans faire de kill, et ben il boit. Viens là, là, veux te courir, toi. Bah du coup, il y a... jouera jamais. T'as marrant, là. Si, il faut qu'il joue. Oh, lui, vu la petite nature et qu'il risque d'y passer, on va lui faire boire de l'eau, mais bon, ça sera beaucoup. Il ira pisser toutes les 4 secondes, ça sera sa punition. Eh oh, tu visais Kibble, tu peux pas continuer, espèce de bâtard. Alors que non, mais non, on va aller voir avec les barils, on va pas le retrouver, quoi. Allez, suivant. Il m'a fait peur le capitaine. Putain, y'en a qui ont des guns, ils sont où? Y'a un capitaine avec un gun. Bon. Et y'a encore un autre collègue avec un pistolet. Oui, oui, attends, là j'ai plus de vie donc je bouffe une banane. Il est mort. Y'a un pistolet mort. Capitaine aussi apparemment. Bon bah voilà. Ils sont tous morts. Waft. Oh, il y a une sirène. Ouais
Ouais, j'en doute pas. Je l'ai entendu là, chanter. Chanter ou nous maudire, hein. On sait pas trop, hein. Allez, on croise les doigts pour une verte ou une rouge, s'il vous plaît. Une verte serait cool de finir le succès. Oula, moi j'en suis loin encore. Hein. Ah, non, pas autant que Kenko, mais. C'est ça, 14 sur 15. Mange pas trop de bananes, hein, c'est l'équivalent d'un steak. Oh, et je t'emmerde, hein. Va chercher ton crâne, moi je cherche ta putain de sirène. Mais à l'opposé de là où on est garé. Ouais, mais je vérifie qu'il n'y en a pas ailleurs en même temps. Tout à l'heure, on a eu deux roues sur la même île. Faudra le dire à Thierry, ça va le faire rager, tiens. Mais il a qu'à être là, hein. C'est hier son anniversaire. Oh, il a vieilli. Ouais, je lui dis, ça fait quoi, 55 ou 56? Il est 48. T'es méchant. Comment t'es méchant? Bah attends, il a dit qu'il se ferait, il a envie de se refaire un tatouage, mais il se referait un tatouage quand il y a quelqu'un qui l'aime bien qui va mourir. Il m'a dit, tu peux pas mourir, Kevol. J'avoue. C'est une bleue, la sirène, c'est nul. Il a eu quoi, un bon pour se faire allergir l'anus? Je sais pas, peut-être que Gaëtan lui a offert le resserrement d'anus, pardon. Il me recasse le cul une deuxième fois. Bon, je vais prendre des dégâts, j'arrive pas à me mettre bien sur celle-là. Et voilà. Comme vous disiez, il est dilaté, c'est tellement qu'il est dilaté, frère, c'est la porte des étoiles. Oh là là, t'as des images toi. Hein. Plus jamais tu verras Stargate pareil. Pourquoi tous ces gens ils rentrent dans Free? Oh là 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 là. Et pourquoi, comment ils font pour en ressortir? Ils sont nombreux aussi à en sortir, hein, à la porte des étoiles. Hein. Jour les petits poissons. Pourquoi on se fait chier à bouffer des bananes alors qu'il y a plein de poissons dans l'eau, quoi? Pourquoi on se fait chier à faire les trucs de tout sauf de pirates? J'avoue que se faire le tour des îles à la nage, c'est sympa. Hein. T'as fini de faire des bruits d'explosion dehors? C'est pas moi. Il y a l'orage qui arrive. Oui, oui, pour ça, je suis prêt à partir. Oh merde. Pas l'orage. Bah tu sais, au pire, tu pars. Hein. Il y a un sloop sur. Sur l'île où on va. Je crois que c'est comme de Ravenpost. Pourquoi? Oh, là où on va, c'est en Chine. Non, il y en a une tout proche. Et qu'on retourne sur l'île où on était tout à l'heure. Voilà, tout près là, bonne direction. Plus qu'à attendre. Ouais, je suis en train de remonter. Il vient de quoi, place? Tu viens de te casser, espèce de saleté, va. Et tu vas dire de partir? Ouais, je vais chercher ma sirène. Eh oh, Hubert! Ah bah, elle est là. Sans déconner, faudrait qu'on la fasse pop plus souvent. Elle fait de la belle lumière pour qu'on voit bien les fonds marins, elle. Enfin, quand elle s'allume, hein, parce que des fois. On pourrait presque me faire tirer sur l'avant-poste pour aller piquer les bananes dans le bateau de l'autre. Bah vas-y. Pique autre chose au passage. Ouais. Je suis dans le bateau.
Adieu, Cable. De toute façon, c'est bien réglé. S'il n'y a rien de droit devant le bateau, il n'y a pas besoin de toucher rien. Je viens aussi, alors? Oui, si tu veux. Mais il faut tourner le canon dans l'autre sens. Hein. Direction l'arrière du bateau. Je l'ai peut-être pas fait assez, mais je l'ai fait un peu. Comme se dépêcher, ce serait triste de couler. De quoi? J'ai quand même un peu me dépêcher, parce que ça serait triste de couler. Ah oui, oui. Tout cela parfait, la sirène à la pop derrière, même pas une voie arrivée. Et comme des prostitutes hein, quand on voit. Et tellement fier de l'être. Peut-être prendre autre chose qu'un saut pour attaquer le mec. Bah, il a dû partir. Ah, il est plus là. Mince. Ah, peut-être que les bananes elles ont repop elles. Oui, il y a 5 bananes, celles qui vont les skins de ce bateau. Cool, ça fera déjà ça de prix. J'ai pris 10 boulets, 5 planches. Et je cours direction la sirène parce que si je sens. Plus vite. Mais bon, mettre full vite, quitte. Il y avait une boîte de boulets qui traînait. Je sais pas si j'ai pris pour le bateau là. Bon, vide hein, mais il y avait une boîte de boulets. Ah, ben on est arrivé. Hop, on va laisser pour quelqu'un d'autre. Sauf si on a envie de repasser par là, mais bon. Vu comment on est en dèche de boulets, je pense pas qu'on va la faire la boîte. Hein. Hubert, j'arrive! T'aurais pu venir me chercher, hein? Il est une drôle de tête, le poisson. Putain, vachement long, hein? Foxo, c'est Guillaume le Terrible. Pourquoi c'est Guillaume le Terrible? Le squelette. Ah, d'accord. Ah, les sirènes. Une rouge. Ok, on est arrivé. Et à l'arrière du bateau. Il arrive, je pose toutes mes affaires. Ouais, c'est le rouge. Bon bah je garde mes bananes alors, ou on fait la méthode d'économie des bananes? On va faire l'économie des bananes, mais il vaut mieux les prendre parce que s'il y a un requin. Oui, ok. À l'arrière du bateau. Elle est où? Là-bas. Oh, elle est loin. On fait plus de rouge en une soirée que depuis le début du jeu, quoi. Quasiment, ouais. Enfin, moi j'en avais trouvé plein, mais j'étais toute seule. Et à l'époque, je savais pas qu'on pouvait les faire toute seule en 4000 ans à cliquer. À en avoir une tendinite de la main. Une astuce. Ouais, il fallait la trouver l'astuce. Attends, on va respirer moi vite fait. Je commence à y aller. Comme ça, ça fera le décalage. On aurait dû dire, tu sais, qu'il y avait une méthode pour faire les sirènes où il fallait retenir sa respiration IRL, ça marchait mieux.
va respirer. Il fait pas encore de bruit. Ah. Je croyais. Ah, ça y est. On est descendu. Plus facile qu'on dirait. Peut-être que c'est vrai. Hein. Alors, j'en suis à combien pour rigoler? À 9 sur 15 et les vertes à 12 sur 15. Je suis en train de rattraper les vertes. Wow, 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 wow. Okay. T'es énervé, dis donc. Bah, c'était ça ou c'était la mort? Eh ben là, tu peux pas, on est en slup. D'abord ton aéron. Après, si t'es courageux, tu peux commencer en gagnant tout seul, hein. Eh, tu peux préparer le galion, on m'a pas dit que c'était impossible, non. Moi, j'ai fait... Oh putain, on se casse. Non, les femmes d'abord. En plus, je sais mieux viser que toi, hein. Et le tir quand je vais crever, quoi. Ça, je te jure, le karma. Hein. Ça, c'est pour m'abandonner à chaque fois. Tire sur Cable, tire sur Cable. Yeah! Tu veux une banane, tiens, regarde. Une banane. Banane? Non, prends une autre quête du coup. Bah ouais, comme ça Ken il va s'attendre encore plus longtemps le pauvre. Non bah non, bah on peut pas toutes les faire hein, il y en a encore pour 40 minutes. Hein. Vous êtes des enculés avec vos guns. Ba, 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 banana. Non, pas toi banana. Putain, j'ai toujours pas réussi à l'avoir, le capitaine est venu me faire chier. Ah, ils m'ont tué! C'est le karma! Non! Ken! Ouais. J'ai invoqué le paladin feu. Non, j'ai utilisé des cristaux comme ça pour un mob et dès le premier je l'ai eu, alors j'ai arrêté d'invoquer. 5 nets. Après, je sais pas si c'est la fusion, j'ai pas regardé, mais. Je suis contente, ça me fait 100 moins à faire. Mais après, je sais pas s'il est bien. Je pense, c'est quand même un 5 nets. Non, l'inverse. C'est quel, on peut faire les statues rouges sirène solo. Il a l'air tout éteint notre Ken. Mmh. T'es pas là? On a fini ici? Mmh. Je fais le tour de la plage ou on se casse? Ou tu te casses et je fais le tour de la plage? Ça marche aussi. Il y a une épave en sud. On va voir si Ken est niveau 20. Ouais. Ce sont des quêtes, on va en retrouver. Hein. Je vérifie juste qu'il n'y a pas ta sirène verte, quoi. T'en es proche. Bah si tu veux, en sud, il y a une épave. Ça fera plus de trucs à vendre. Planète, c'est à 5 mètres de l'Atlantique. Pas trop. Alors.
respire un coup. Oh, j'ai mon Uber. Donc comme j'ai mon Uber, je vais plus entendre cette sirène normale. Bah ça chante ce con. Allez, on rentre. On a même pas pris de poules. On a oublié les poules. On aurait peut-être dû les poser là. Comme ça, quand on va les jeter par-dessus bord, ce sera plus rapide, non? Tu fais ça feignasse, il veut pas. Attends, il y a le dildo à poser là. Il y a quoi? Le dildo. Ah oui. On n'est pas en train de le passer là, l'avant-poste. Aïe. Depuis quand on rebondit sur la carapace, la coque du bateau? Non. Bah si. On passe pas l'avant-poste. Hein. Ah. On y arrive. Bah, je suis à l'eau alors t'es tout seul. Oui, j'ai bien compris. On m'a tapé le bateau. C'est le karma. Mais t'as vigné avec ton karma, oui. Laissez-moi sous l'eau. Ah, elle est tapée sur l'autre avec ses furoncles là. Là. Relève la voile. Ah bah non. Il m'a piqué la voile. Répare la ancre. On est retourné. Non, on n'est pas sur l'avant-poste. On est allé attaquer l'autre là. Non. Peut-être les boules d'or là, c'est. On s'inspire. Vas-y. C'était assez instant pour monsieur. C'est pour ça que je lui suis chuchoté. C'est le karma. Et non, tu t'es garé comme une merde. Fais du bruit du pied. Je l'ai trouvé dans le frigo.
Il y a de la viande, les cubes de poulet, des pompiers, il y a des tas de riz, qui c'est que des pompiers là? La légion. Hein? C'est à qui je parle d'habitude. Tu? Non. Ah, le... C'est que je parle d'habitude, c'est bon là, c'est. Okay. Non, il est pas là. D'autres que je parle d'habitude. C'est de la légion, moi. Ceux que je parle d'habitude avec ceux de la légion, gros, c'est de ma communauté. Ah, ceux... si je te dis pas que c'est bien, ce sera pas lui, moi. T'as rien. Non, et quoi? Bon bah écoute, hein, à la prochaine, bonnes vacances. A fini. 3 semaines. Quoi ça? Ah merde. Mmh. Oh ça va. Bon ça vient. Je t'enverrai un message pour dire quoi. Ouais. J'attends quand même de... Moi j'ai 1h, 2h de l'après-midi. J'ai vécu tout seul. Vous me dites tout de suite que je vais me lever à 3h de l'après-midi. Je crois qu'elle était plus partie pour 4 en fait. Ou dormir la journée parce qu'il fait trop chaud. Aussi, ouais, ça peut être une bonne idée, ça. Ça, c'est cool, la sieste. Ah bah dis donc, le dildo, c'est cher. Non, c'était le crâne or que j'ai posé à 1007. Deux fois ? On a eu un à 1000 et un à 1007. Ah, alors, c'est le dildo à 1000. Attends, c'est un dildo en rubis, quoi. Violet, c'est pas plutôt de l'émeraude? Ah bah non, c'est vert. Bah, y a... Ah, améthyste en violet. Ken, tu peux commencer à préparer un galion, on arrive. Passé 38. Fermé. Équipage fermé. Fermé. C'est ça. Ouvert, c'est pour le PU lambda qui sert à rien. C'est ça. Mais du coup, là, il suffit de faire ton Windows. Bah, c'est fini. Il y a plus. J'ai fait 15% de mon level 40, quoi. Avec tout ce qu'on a mis en crâne. C'est déjà bien, 15%. Ah, j'étais pas en. Oh. Mais je sais pas si c'est lui ailleurs. On vise d'être 3. France. Pour l'instant, il bot des culs à Fortnite. T'as fait le gaillon ou quoi? Non, même pas. Dans ce cas, je lance le gaillon et vous le rejoignez. De toute façon, il peut rejoindre n'importe lequel d'entre nous, donc. Bah oui, en fait. Pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da. Bon, alors, faut que je te rejoigne. Salut, Netlib. Alors. C'est qui a fait? Moi. Trouvé. Ça charge pas, ça. Pas dire le ginger ale, c'est tout. Ah, ouais, j'avoue. Je m'en suis gavé au Japon. Tu fais un cocktail générique, ça s'appelle le Moscomule. Passe le gingembre de ginger ale, le citron et le vodka. Ouh, vodka. Alors en gros, tu fais une grosse ginger ale à la vodka.
Ce sont les alcooliques, ça. Ça me va. Bah si, c'est ce que boivent les mecs alcooliques le matin, parce que c'est la seule alcool qui s'en prend dans la gueule quand t'es arrivé. Okay. Si t'as envie de te mettre une grosse mine sans que personne le sache, tu bois de la vodka. Bien craché. Ah merde, donc ils sont en train d'essayer de te rejoindre, ça va être pratique. Mais ça a dû créer, hein. Bah je vais découvrir ça d'ici peu, je te dis. C'est bon. Moi je vois Andraziel au bar en train de picher. C'est pour ça que je voulais découvrir. Je peux vous rejoindre sur ma partie. Le nouvel event, faut tuer des sirènes. Elles sont cachées au fond de l'eau, elles chantent et quand on les trouve, faut les tuer. Enfin, cachées, elles rayonnent quand même. Bon, bah, elles posent au fond de l'eau, rien branlé et voilà. Elles prennent la pose au fond de l'eau, rien grandé. Eh, je suis là. Eh. Puis elles chantent pour bien te dire qu'elles s'enlèvent. Oh, je suis là. Comme ça. Il y a des trucs dans l'eau. Au cul de notre bateau. Je crois que c'est des cages à cochons. Ça, la costaud, au coffre d'à côté. T'as pas mis de quête la cable encore? Je sais pas si t'étais déjà monté dans le bateau ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière du bateau? Non, une cage à cochons. Non mais les gens ils gaspillent. C'est moi qui ai lancé le câble qui héberge, c'est magique. Comment tu sais que c'est moi qui héberge? Est-ce que c'est ton bateau? Non, c'est mon mien. Non, c'est tien. Non, bah tout, n'importe qui peut mettre le skin, il n'y a pas d'hébergeur. Hein. C'est un serveur, tu rejoins un serveur, hein, peu importe le, ce qu'il y a en dessous. Tu peux même le changer là. Non, mais je pensais que c'était. Ah non, je sais pas. Toi, t'as la voile du chasseur. Moi, j'en ai plusieurs voiles, j'ai la voile aussi. Ah ouais. Tu sais, on écoute Siri, on achète des trucs, et après, il nous dit non, c'est mâche. J'ai trouvé quelle voile, tu sais, mon perso, je l'ai habillé en fond de cale Elite là. Non, je pense que c'est pas. Ils avaient prévu de faire des sirènes gentilles et des sirènes méchantes. Les autres, je sais pas si c'est vraiment des sirènes. On peut peut-être plutôt dire que c'est des tritons. Déjà, c'est une sale gueule. Et puis, il y a la meuf, il y a une vendeuse, là, elle se gratte la main comme et le bras comme pas possible. Elle s'arrache la peau et dès que tu le regardes, elle arrête. Et c'est pas depuis que les sirènes arrivent. Il faudra que je retrouve sur le forum que je lisais là. Le moustique de ce matin. Il y a un moustique qui à 4h de l'après-midi s'est pointé. Et lui ça va. Il a pas peur. Lui. Bah c'est un moustique aussi en même temps. Ouais bah lui elle suce la nuit. Tu as pas de plainte maintenant, il y a quelqu'un qui voulait te sucer en plus le jour. Ouais c'est bon. Moi il me pique pas, donc je m'en fous. Il me dérange pas du tout. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire ça avant? C'est que ma transpiration est pas à l'heure, vous. De toute façon, ça m'étonnerait pas qu'ils aient mis un easter egg comme ça avec quelqu'un qui va se transformer en sirène ou qu'en est une et on le sait pas parce que ils en ont mis sur toutes les îles des easter eggs. La côte de bord, elle est sympa. D'abord, tu te fasses des sous. Ouais, je suis à 75 000. Mais apparemment, ce soir, on fait pas de fort, il paraît. Vas-y, un boubou, je le voyais même pas. Le peuple passe, c'est pas les forts. Mais si on peuple est fort. Ah, il faudrait voter, du coup, je peux pas acheter de caisse. J'y vais.
Vas-y, rachète ta quête. Faut ramasser toutes les bananes hein, parce qu'elles sont casse-couilles. Ouais, je regarde même pas les Croquimas, Second Grove, Marauder Arch. Snake Island. Casse-toi l'étiquette, je vois pas. Castaway Island. Ouais, Castaway. Tu vois, t'avais pas bon. Hein. C'est pas non, c'est pas ça. Croc Solo, ouais. Snake Island. Et c'est quoi la dernière? Castaway Isles. Voilà. Bah comme on sera pas loin, on peut aller en N10 après. Comme ça on vérifiera. Une île qui n'est pas marquée sur la carte. N10, K14. Et il y en a une à côté de... Je l'ai blanc. Je regarde s'il reste des bananes. Là, il reste des bananes. On va faire Croc Solo en premier, puisqu'après, il faudra carrément aller du même côté. Donc, il faut aller plein d'or. Croc Solo. Encore. C'est des statues maudites, ouais, d'après l'histoire. Faut leur casser la figure, puisque sinon, elles sont en train de nous maudire. Concrètement, c'est pas très, très intellectuel, quoi. Puis, tout ce qu'on voit sur les plages, les trois quarts sont en train de massacrer les humains. Un sacrifice ou des conneries du genre. T'en as vu toi sur les plages? Ben oui, on voit plein de. Les dessins et tout ça. Ah oui, les dessins, oui, d'accord. Oui, des dessins. On les voit avec des sacrifices humains et d'autres en train de les vénérer. Donc, à mon avis. Le crâne en nuage, il est là. Non, il est pas là. Non, non, le viewer, il n'y a pas de crâne. Hein. Il est là. Non, non. Non, 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 non. On veut pas de crâne, mais c'est quand même à pas d'heure. Crâne ! Non, y'a pas. T'as rêvé. Oh, putain, j'avais regardé derrière. Quoi ? Crâne ? Ah, bah non, pas de crâne, non. Mais c'est parce que quand on était sur un sloop, c'était pour regarder là. Ah, la carte. Mais je regarde par la grille. Tu tournes encore longtemps ou t'es dans la bonne direction? Non, c'est qu'on a ouvert les voiles que ça a fait tourner le bateau sur le côté. Non, mais c'est parce que là je remets la voile, c'est pour savoir si je me fais chier pour rien en fait. On est presque dans la bonne direction, je dirais. Tu fais chier pour rien alors. Ça sert à rien de mettre les voiles si on se prend en face. Mais je pense pas que le jeu prenne ça en compte en fait. Et oh, hein, pour une fois que dans ce bateau, il y a des gens qui remettent les voiles en place, hein, on va en profiter, hein, toutes les fois où il y en a qui ne le font pas. Hein. Voilà, on a. Mais je sais où elle est, Croc Solo, elle est plus pas là où je vois rien. Non mais il est en mode casse-couille ce soir en fait, hein, voilà, hein, il parle de karma et tout. Attends, tu me tires dessus, tu me fais mourir avec le baril, 10 secondes après, il y a un squelette qui tire une balle. Quand je mets un point d'interrogation, c'est une question. Ah oui. Non mais des fois, on a l'impression qu'il est là et il n'y a pas de... Les nuages, ouais, ils ont pas la bonne c'était forme. C'était pas méchant, hein. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Puis il y a des fois aussi, on le voit pas, hein, parce qu'on est tellement concentré sur autre chose. On fait comme d'habitude, quelqu'un il me téléporte sur une autre île pour voir s'il y a des sirènes. Là-bas? Ça, si tu veux. Ah, là-bas? Bon, d'accord. Au revoir. Je tire? Bah, ou des deux côtés, dire, hein. Sinon, je tire qu'elle en face aussi, t'es, hein. T'es un peu loin, là, quoi. T'as dit tir? J'ai tiré. Ah non, j'ai pas dit tir. Pour tirer qu'elle, ouais. Ça va être trop tard, là. Il sera trop loin. Bah, non, je l'ai tiré du mauvais côté, Ken. Ah, bah. Et là, il est là, il est de ce côté-là, là? Non, dans l'eau, moi, là-bas, au bout. Elle m'a tiré à tri. Non, bah y'a Ken qui va y aller. En nageant. Il va finir par y arriver. Bon, moi, je tire pas les gens, je suis nul. Si je me fais croquer le cul par un requin, c'est pas... Non. Karma, il a dit qu'il est belle. Cette année, c'était les toys à l'honneur. Le Japon et Singapour. Ah.
Ah, ok, on fait les voiles. Je fais celle du milieu ? Mais si on n'est pas trop loin de la plage, ouais. Quelqu'un qui tire les impôts dans les verres chez moi là. Ah bah tiens, sirène bleue. Ah bah tu vois. Enfin, statue bleue. Allez, on va y arriver. Tu veux que je te rouvre un petit peu de voile? Non, pas mal. Faut pré-ancrer ou on remonte juste les voiles? Bon, on va remonter les voiles une fois qu'on aura passé le gourde, le petit caillou là. Le petit caillou. C'est mon temple. Ouais, ouais. Là, je vais me mettre à la voile. Tu dis. C'est quand le cul du bateau ? Non, d'accord. Ah, je sais pas, hein. C'est le nez du bateau qui passe ou c'est le cul ? Ah, ah, ah. Ouais, j'y descends. Ok. T'as besoin d'aide ? Non, il y a juste un truc, on dirait. J'ai un seau, j'ai un seau. Oh. Il y a une sirène, vu le bruit qui est en dessous là. Ouais, je l'entends aussi, mais il y a aussi un squelette qui nous tire dans le cul. Tu vas lui péter sa gueule au squelette. Si je tire pas trop, ouais. L'enfoiré, il nous a fait un trou. Ouais, du coup, je suis obligé de faire tout le tour pour y aller. Ah. Un baril sur le... T'as tiré trop. Non, un chouïa trop bas, c'est pixel trop à pas Kraken. Hein. Mais il est casse-couille là. Hein. Donc il y a un baril de poudre sur le ponton, et une caisse à cochon. Il tire dans quoi là? Parce qu'il fait pas de trou, il tire, mais il touche et il fait pas de trou. Si, si, il doit toucher en haut. Hein. Bah écoute, là il vient d'en faire un, mais tout à l'heure il a tiré deux fois et j'avais déjà réparé, il a pas refait le trou. Ou alors j'ai des bugs, hein. Non, nous le Kraken on le voit pas souvent, il me manque. Moi je l'aime bien le Kraken. On voit beaucoup le requin. Ouh, celui-là il était pour toi, hein, Ken. Hein. Ah, là il y a encore un trou. Ken, il lui a pété sa gueule. Moi je suis, j'étais à côté. Ah, dommage. Bon, elle est où la maîtresse bouddhiste là? Rouge. Non. Putain, j'ai... Oui, rouge, elle est rouge. Alors, je remonte, tu commences, je respire. Comme t'étais pas là, Ken, tu peux les taper sans prendre de dégâts. Tu te mets assez loin et on tape sans prendre de dégâts. Ce qui fait qu'on peut les faire à deux. Ah oui. Tu remontes respirer quand t'as besoin. Elle est au cul. Comme ça, on n'utilise même pas de banane. Va respirer, tu souffres. C'est bon, GG. Oh, c'est pas très compliqué à rencontrer le mégalodon, mais d'un fond, on a cru voir qu'il y en avait deux. Il y en a un, il fait poisson pilote, il te suit partout et bah voilà, sans plus. Et l'autre, en fait, il vient et il essaie vraiment de t'attaquer, il bouffe le bateau. On pense qu'il y a un repérage fait par un requin et l'autre, il vient. Puis il y en a un qui a pas de lumière. Voilà, c'est ça. Il a pas d'aileron qui brille, en fait. Des trous. Oh putain! Que des distants. Oh, ils sont où sur ligne? Là, sur l'arrière du bateau. Ah bah attends, je suis pas loin, je sors, je viens.
chercher des connasses chantant, mais... Le cul du bateau. Après le ponton. Je te vois, je vois pas les squelettes. Bah, ah, dans la caverne. Je suis cassé en courant. Dans la caverne, il y a encore un bateau. Il est où? J'ai horreur de ça quand je passe à travers les squelettes, quoi. Arrive. Ah putain, j'ai récupéré le baril. Attends, on va les attendre dans l'eau, comme ça je vais les pack. Tous prêts? Vous êtes un peu proches en fait, à mon avis. Eh oh. C'est son copain squelette qui a tiré. Même pas vrai. Non, c'est pas vrai. Sale bête. Pour la peine, je pique la dernière banane. Tu sais que je sais gérer un gagnant tout seul. Bah, cool. Comme ça, au moins, t'as pas besoin d'attendre d'autres gens. Oh, vache. Saloperie. Mais c'est que les vents, on n'était pas censé pouvoir les faire tout seul, les sirènes rouges, et au final on peut. Bon. J'aurais dit baril là, vu comme ça. Oui. Ouais, 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 baril. C'est pas moi. Non, je sais, c'est quel. Il y a une bombe dans ma direction, il y aura la tienne. Ah 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 ah, putain! Retourne dans le sable. Wouhou! Cool. Bon, bah maintenant on fait le tour de la plage pour savoir s'il y a une autre sirène à la con. J'entends une autre. Elle est juste là. Et elle est de quelle couleur bleue? Bah, bah vas-y, on te laisse faire bleu. J'ai trouvé plein de trucs sous l'eau. Tout à l'heure, on a trouvé une coupelle et puis je sais plus quoi. Un œuf là. Et non, c'est l'île. Ouais. L'île aux sirènes. Petit poisson. Petit poisson. C'est une bleue en plus. Bon bah c'est bien. Ça fait avancer la quête des sangs. Ah mais c'est pour ça qu'il a avancé le point. Pourquoi? Parce que la voile arrière elle était pas rouge. Ah bon? Ah, c'est une cascade que j'entends, putain, je me demandais ce que c'était. Et je crois qu'il n'y a plus de... Coucher le serpent. Oh putain, il y en a un autre. Cool, une cage à poules. T'es de quelle couleur? Toi t'es noir, toi t'es rouge. Vous auriez pas une petite copine gueule là dans les parages?
Il a tiré dans la poule. Mais t'es un méchant avec les poules, hein. Poule. On avait une gueule tout à l'heure par là, on va regarder. Hein. Après, j'ai pas dit qu'elle soit encore en vie avec toutes les explosions qu'elle a pris dans la gueule. Ça me meurt pas, pareil. T'as un peu coupé là. Ouais, ça grésille. T'as fait un peu le robot, quoi. Ah bah un kraken en pleine tempête, ouais, c'est un peu la fin du monde là, mais... Ça s'appelle le pas de chance, quoi. Elle est noire. Gold ! Lui. On peut lancer les paris. On fait pop le Kraken ce soir ? Non. Faut déjà goûter. Ah, c'est sûr que le mégalodon, ça, on sait le faire pop. Hein. Hier, déjà, on l'a fait pop deux fois. On s'est trimballé avec un fort toute la soirée, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut faire un fort. On a pas d'eau. Hop. Tu veux les autres voiles? Oui, on va sortir en face. Là. Et après, on monte au nord. Ah oui, c'est vrai, je suis con, regarde, on a que des squelettes pour le moment. Allez, deux rouges, une verte, ce serait parfait. Et t'aurais fini. Après, il m'en restera à faire les centres. Ouais, il manque trois vertes et cinq rouges. Putain, les rouges, j'avoue qu'on en a fait pas mal ce soir, hein, déjà. 3, 4. Bah ouais, au moins. Oh putain, on est à droite. Épave! Là. Non, ouest, ouest. Ouais, on relève les voiles. Ok, capitaine. Je pense quand même qu'il y en a qui peut les prendre, parce qu'on vient de prendre le vent. Ah. Moi j'ai fini ma voile, on va prendre ancre. C'est fait. C'est là où on a fait l'autre première rouge. Ouais. Je ressens. Tu dis quand je lâche? Ah bah tiens, il y en a une. Je lâche? Lâche, lâche. Oui. Bon, on dit pas, je lâche pas. Ah, regarde, l'épave elle est en or maintenant. Voilà. C'est pas sur celle-là qu'on a trouvé plein de trucs dans l'eau aussi? Ouais, je la vois sur le dessus. On dit pas ça, on dit c'est du food. Mais c'est celle qui fait une de moins pour. C'est deux heures là. En fonction de où ils sont, on va peut-être bouger le bateau. Ah, pour leur tirer dessus au canon. Si on veut pas y sécher, ouais, je pense. Tu regardes ici. Ouais, je pense pas qu'ils y sont, mais pas la musique.
J'entends une autre. Je suis sur le bateau. Moi, je suis sur la deuxième île pour dire à Cable sur quelle île ils sont les squelettes. Là, moi, j'entends des squelettes, mais j'ai pas la musique, alors... Oh, les casse-couilles, c'est des ténèbres. C'est où alors? La grosse île? Là, je suis sur la grosse île. Mais je te dis, j'ai pas la musique. Si c'est les ténèbres, c'est celui-là. Hein. D'accord. Il faut jamais. Il fait chier. Ok, je me casse. Ça va, c'est bon. Ça va, vais manger mes bananes, je reviens plus tard. Il y a un mec qui tire au canon. Où ça? Derrière vous. Je vais essayer de dépasser sans prendre le coup. Non! Bah. Et hop, et un autre, canon. Ils sont un peu plus, un peu en haut. Bah, je vais m'occuper de la cale quand je reviens. Ouais, je suis obligé d'encre et compagnie, hein. C'est la Bérésina là. Oui, oui, j'imagine bien, ouais. Non, je suis en train de faire de la cale. Hein. Du coup, c'est pas top pour les squelettes toujours. Bon, je suis mort de toute façon. Ah, l'assaut! Du canon dans le creux de l'île. Bon, là je fais pas demi-tour, hein. Ça va être 5 minutes de manœuvre pour gratter à 3 minutes de temps. Bon, juste là. Derrière. Bon, on peut ramasser. Et on ramène au bateau. Non, pas les serpents. Mal, hein. Parce qu'encore quand ils t'aveuglent, c'est pas trop grave, mais quand ils commencent à te cracher dessus et que tu perds la vie en permanence, ils sont relous. Hein. Je vais faire le tour de la petite île. Oui. Un autre quoi? Une autre sirène? Une sirène, ça
Je reste sur le bateau, voilà. On va à l'épave ou pas? Là, alors, on va aller en nord-nord-est. Les épaves, c'est des trucs de pirates, les épaves. Bon. Je dirais qu'ils étaient mauvais, quoi. Ah bah, c'était des équipages avec Thierry, quoi. Ah, le Kraken a mal aux dents. C'est le coin totalement pirate des Caraïbes. On va se battre pour mieux fuir. Bah, il est 100% Disney en fond de lui, hein. Attends, la paquette. Elle peut même pas t'attendre. Voilà, on est parti. Hey. Tu veux, je vais mettre l'angle. Hein. Voilà, on a plus le vent. Hé, hey, il a rouvert la voile. Mais je l'avais fermé. Pas moi la deuxième fois. Voilà. Laquelle? Celle de gauche ou celle de droite? De quoi? Ah, ok. Non mais c'est qu'il y a deux... C'est les barils là, ok. Je vois pas celle de droite en fait. Là, on vient de passer dessus. Il y a un beau sloop droit devant. Ouais. Bon, le coup sûr, il a fait les pas, mais... Il vient sur nous, là? Non, il vient pas sur nous. Dommage. Alors, tu veux pas faire de forme, mais tu veux bien péter le cul à des sloops. Ah, alors, tu vois, on l'a pris correctement. Ouais. Il l'a pris sur moi, je l'ai arrêté. Alors, ça tombe bien, ça fait juste un trou au premier étage. Je dois pré-ancre. Oh non, non, pas prendre parce qu'il faut tourner après. Donc on va juste relever l'ancre, quoi. Ouais. Relever les voiles. C'est chiant, c'est relevé, hein. Ouais, ouais, j'ai vu. Elle est à l'envers. Blessing Athena. Bon, chez le capitaine. C'est la première fois que je le vois, celui-là. Blessing Athena. Tu te souviens des épaves que t'as vues? Bah les noms, oui. Bon bah y'a rien. Non, je suis sûr que les souples. Même tout au fond, y'a rien. Et je crois qu'on s'est pris un boulet. Bah je récupère des combos au moins. Il va nous tirer l'île jusque là. Juste une seule voile suffit. La petite merdouille. Petite merdouille à toi. Ouais. Putain, vivement le Bricantin, quoi. J'en ai plus.
Gastronix, ce truc qui mange. On y va à la neige. Tu t'es stocké pas du... de l'encre, hein. Pourquoi ? Ils sont mauvais. Tant d'avance encore, c'est l'inertie. Il y a un coffre dans l'eau. Non ? C'est un caillou qui a cette tête-là ? Non, c'est un coffre. Bon, donc on peut estimer qu'il y a une sirène. Je la tape. Ah, déjà ? Oh, un connard de serpent. Pareil, je vois rien. Oh, pas deux fois. Même pas de banane. Il est passé où ce con? Arrête d'aller te planquer là-haut. Il nous en manque un là. Elle est là. Ouais, il court. Hein. Putain, c'est une île pleine de fruits quoi. Oh merde. Ah, prends-toi de l'eau. Toi là-haut. Le sucène. Waouh. Sont de mauvaise humeur. À charger celui-là. Coffre. Coffre ou capitaine? C'est un coffre. Baril. Ah d'accord. Que tu voulais un coffre. Au fond de toi, tu rêvais d'un coffre. J'ai vu que ça commençait à fumer, je suis resté au milieu. Ça va et toi, Pogo? T'as fait boum? Bah oui, oui, j'ai plus de balles, j'ai plus de vie. Et hop. Mort, ça régène tout. À vous. Ça économise les bananes.
Oh, sa mère. C'est des golds avec des guns. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y a un fort qui a pop. Ça. Oh, puis merde, enfin, j'ai pas pris de banane. Plein sud-est. Attends, on finisse les squelettes en tout en or là, non? Ouais, c'est pour que je pense à prendre les bateaux. Oh là 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 là. Je veux sortir. C'est moi sortir. Il y a un problème hein. On va te les placer, c'est ça les squelettes? On est juste à côté. Peut-être même y aller maintenant. Bon, rappliquez votre cul les squelettes, on a autre chose à foutre. Faut les amener où les squelettes? Là, ça te va? Pas plus loin, pas plus près que ça, sinon je pourrais pas tirer. D'accord, pas plus loin que ça. Là, tu tournes un peu, là, ça va. Viens par là, toi. On peut revenir après, hein. Viens par là, viens là. Ah, bah, raté. Lui, il est mort. Allez, sors de ta forêt, le capitaine. Fais gaffe, c'est des... Ouais, sur votre plage, c'est pas trop mal. Ah, c'était pas loin ça. Ah bah là c'était en plein dessus. T'as pris le crâne. Sur Castaway, là. Là, bah, c'est fini. Et démarrage la suite. C'est pile poil où il faut qu'on aille. Il y a une petite boîte à récupérer sur l'île. Attends pour de vrai? Bah oui, pour de vrai. Oui. Je t'ai dit qu'il y avait une petite boîte. Faut mettre l'encre là. Alors dès que t'as un truc dans les mains, tu nages même plus. Alors c'est... ma clope avant de devoir naviguer entre les... Tu veux le faire le zigzag, Ken? Il essaie de se débarrasser de sa corvée pour pouvoir fumer. Ah non, avant qu'on y soit levé, j'aurais fini, mais c'est s'il veut s'entraîner. Ah, l'assaut! C'est pas une corvée de piloter. C'est une corvée quand il n'y a personne au voile, ouais. Ça va, on n'est pas trop méchant avec les voiles ce soir. Non, mais je veux dire, quand t'as par exemple pris les fils, on est avec deux dessus, c'est compliqué, hein. T'as vu, c'est une planche. Vas-y, fonce avec la tête dedans et casse-la en deux. Même pas réussi. Non, pas avec ça. Et on fonce pas sur un. Tu veux voir sur quoi on fonce? Alors. Remonte le bateau. Sur le fort, il y a que le fort. Il y a rien de... d'ennemis aux alentours.
ça a l'air d'aller. Un kraken ce soir. Oui, un kraken. On se trimballe avec le port. Oui, oui. Bon, là, on n'a pas grand chose. Hein. Faut que ça soit un gros fort. Hein, parce que là, on n'a pas fait non plus. Des milliers de gold. Hein. Mais tu vas arriver droit sur la première tourelle que tu vas voir, c'est là où il faut se garer. Elle est à gauche. Et la seconde sera dans son ombre. C'est un chouïa à gauche. Tellement bien dit. Oh, on ne tire pas dessus, toi. Donc, si tu veux, tu peux. Voilà, c'est parfait. Et voilà, c'était pas ce qu'on fait. Et de près, c'est des bits, de loin, c'est des missiles, quoi. De quoi hein? Mais là... Il y a des... Ah oui. Quand ils tirent. Ils sont à 15 km, ils te touchent. Ils sont devant toi, là, ils te tirent 40 fois au-dessus du... Voilà, ça va être ça, juste sur la droite, là. Attends, je vais peut-être relever un peu la voile du mille, je sais que Knock, il voit comme ça, là. Donc, je vais en cale. Ouais, il faut se garer sur celle de droite là. Ah, celle de droite là. Ah ouais, c'est à la droite là, il faut se garer entre les deux. Là, je tourne tout ce que j'ai. Ouais, je braque, je relève. Mais c'est là entre les deux qu'il faut aller là. Ouais, bah je braque, je jette l'ancre. Vas-y. Bah, attends, je vais les tuer. Je vais les tuer. Vu qu'il y a Flo en bas. Il y a juste à relever la première et deuxième voile. Et sauf si elle a besoin d'aide en bas. Non, non, non. Ils ont fait un trou en fond et tout le reste ils le font dessus pour le moment. Je vais faire celui-là du mid. Hein. J'ai vu que tu tirais à gauche. La voile de derrière, et on va avancer. Allez, j'ai tout réparé. Il n'y a plus qu'à se caler entre les deux. Oui, pas pendant. Il va pas rentrer. On va foutre la pointe du bateau et on sera à temps de gauche. Plus de voile. Il faut mettre le bateau pour tirer le boulet sur la plage. Ouais. Pas touché, touché. Je descends. Confiance en toi, hein. Y a pas une goutte d'eau en bas.
Il n'y a plus qu'à remettre droit parce que, bien sûr, la marche arrière existe sur les bateaux. Oui, marche arrière. Il y a un galion en face. Qui arrive. On charge les boulets. Oh bah c'est déjà fait. Et il manque celui-là. Moi je suis déjà full planche. Je vais chercher des barils. Moi je vais changer d'arme. Il y en a sur le bateau ? Ouais, sur les billes là. T'es dans la tourelle. Coucou, t'as vu, je suis aussi là. Bah moi il est encore plus dégueulasse que le tien, Cable il était en train de me dire allez 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 on y va on y va. J'ai pris le premier perso qui est passé. Non mais au niveau de l'action qui fait qu'il prend 10 bêtes, il a jeté rien. Ah oui bah quand ils ont mangé trop de bananes pour tirer Non je regarde comment on est pour. C'est parce que s'il faut dégager, est-ce qu'on pourra sortir, ça va être tendu. Moi je suis full tout sauf banane, là c'est bon, je suis pareil. Ah putain, Tromblon. Oui. Déjà pris. Pareil. Il a pas le vent, c'est pour ça qu'il met autant de temps à arriver. Ouais, ouais. Essayer de nous dégager tant qu'il y a un peu de temps à venir. Tu veux un peu de voile, tu veux quelque chose? Non, non, rien. Non, surtout pas, on recule. Je vais commencer à tourner, tu vas pouvoir aller. Ça commence à toucher. Pareil. Je vais voir comment on est en bas. On n'a rien pris. Sur le bateau. Vas-y. Moi je vais tourner. Je répare les trous d'en haut hein, quand même. Hein. Faut que je monte sur la plage. Pour qu'on puisse faire comprendre le jeu quand vous reculez. Donc je descends pour réparer les trous. Moi je suis paré. Il fait demi-tour ou quoi? Ouais, il fait demi-tour. Ah, les missiles qui tirent là. Je reste en bas moi. Marche. Il faudrait que tu montes sur le pic, s'il te plaît, me dire si on recule ou si on fait quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on bouge pas un chouïa. On a bloqué le bateau. Est-ce qu'on recule un peu ou pas? Même pas. Comment on va faire ça? Pourquoi on fait pas tout le tour sur nous-mêmes pour repartir en avant? Moi j'ai une idée, c'est un peu ballsy, mais... Ah si, ouais, en l'orientant comme ça, on va se repousser par là. Vérifier en bas, voilà. Mais non, là ça fait que craquer, ça va. La fameuse marche arrière.
se barre. Ouais, pour le moment, on dirait, ouais. Et en plus, pile poil comme il faut pour. Si attends, je regarde la boussole, voir si elle bouge plus, si elle aurait bon pour. Faut attendre juste encore un tout petit peu. Là, on est bon. Elle bouge plus le bon. Moi, je surveille voir s'ils reviennent ou pas. Non, surtout non, pas. Non. Ah, on reste en rotation. Ah oui, tout le tour. Un fort toujours. Parce que si tu te fais ink là, le temps que tu mobilises deux ou trois mecs pour relever l'an, tu te fais canonner le cul et tu peux pas te barrer. Allez hop, c'est parti. Pas trop non plus, il en reste beaucoup des boulets. Du coup, je vais peut-être pas prendre de trombone là, je vais peut-être prendre un pistolet. Je garde le trombone et je prends le pistolet. Ça y est, il fait demi-tour. Il revient sur nous ? Là, je pense qu'il a posé l'angle pour faire un quart de tour, donc il a bien tourné d'un coup, et là, il bouge plus. Après, il y a une lumière qui nous regarde vers nous, je pense. Je pense que le reflet que je vois, c'est une jumelle ou chose comme ça. Et il y a un sloop qui a l'air d'arriver. J'ai déjà fait une vague. Le sloop lui il rapplique. Hein. Coulé. J'ai ramené un baril. Tu vois, le galion il s'est posé là-bas, là il relève des voiles. Mais il s'est vraiment posé à l'arrache. Il a lâché l'ancre et il a tourné sur avec... place. On voit pas avec le. Alors le galion il est en ouest, le sloop il est en nord-ouest. Lui il nous fonce dessus. Là s'il continue comme ça, il nous rentre dedans quoi. C'est... Et là, nous, on peut pas lui tirer dessus dans cette position. Attends, je vais tourner là-bas. De toute façon, quand t'es sans encre, il faut un mec à la barre. C'est obligatoire. Là, on est parfait. Pas trop non plus, parce qu'après, quand il va passer, il va partir vers la droite. Hein. Je vais braquer dans l'autre sens. Je vais pas rester à la barre pour pas qu'il voie qu'il y a quelqu'un. Ouais, pour pas qu'il tire dessus quoi. Je vais changer d'arme. Donc. Quelqu'un là. Ça. Ça a sauté, ça s'est tiré au canon sur nous. C'est pour ça qu'il y a déjà la sirène. Il est en train de monter à la tour. Il est dans la tour. Il est dans la tour. Le week-end ? Non, j'aime bien. Il y a un squelette derrière toi. On veut sortir. Il y a le sloop qui revient. Donc ils sont deux. T'es déjà. On se fait pilonner.
Je suis en bas et j'ai des planches, donc si on fait pilonner, je gère en bas. T'en es où? Moi je suis là. Hein? Ça dit quoi? Je sais pas. Ah putain, mais... Il est où le mec? Communiquer, ça base sur le jeu, sur celui-là là, et tout le temps parler en boucle. Là. En plus, avec le squelette au cul, quoi. Bon, j'y vais. Il est plus dans la tourelle. Hein. Il m'a tué, donc je sais pas. Je non, il est plus tourelle. C'est peut-être fait tuer. Il est sur l'île. Il est sur l'île. Baril! Baril! Oui, je l'ai vu. J'arrive. Je quitte le bateau. Il est sur moi. Sans santé? Ah oui, il est mort. Par contre, le baril, il est dans l'eau. Oui, je vais le récupérer. Et le bateau, il était en train d'arriver par le nez de notre bateau. Voilà, c'est ça. Bon, je vais recharger, je vais bouffer des bananes. Il faut faire feu, là. Nos boulets. Ouais. Bah sinon faut aller sur l'île faire le plein, mais Mais là, je pense que c'est le moment. Ouais, je vais sur Il y a un trou là, je le répare. Je pousse tous mes boulets, on en a 36 boulets. Ouais, je vais chercher les bananes et le moindre baril que je trouve on le ramène. Chef, oui, chef. Bon, déjà, on sait qu'ils sont venus à poil, pas de baril. À l'horizon, il y a deux autres bateaux. Il y a toujours le galion et il y a un nouveau sloop. Après, où est-ce qu'il va pour le moment, je saurais pas trop le dire. Enfer, quoi. Je te perds. Putain, j'ai peur, c'est tout. Ah, mais le galion, il s'est barré. Il va plus loin. Ouais, enfin, il reste quand même dans nos alentours. Hein. Au pire des cas, on prend la clé, on va la cacher. Hein. On fonce sur eux, on fait un monde couler. On fait une fausse bataille, là. Et on les insulte, et il y a rien. Non, ils ont pris des boulets sous leur ligne de flottaison. Ils nous tirent dessus. Il nous a raté. Je vais à la barre. Il nous a raté. Et il nous a raté. Ah, celui-là. Ouais, celui-là. Ouais. Ah bah, au bout du quatrième. C'est en haut, je répare. C'est réparé. Je crois que c'est sur l'île. C'est toi qui nage, Ken? Ouais, je nage vers eux. Non mais vers nous, non, mais là. Non mais tu nages vers nous, là. Ah non. Je nage vers leur bateau, moi.
Oh putain, je suis mort. Je pourrais jamais le rattraper, la nage. Je l'ai tué. Ok. Et il a quitté le... Ah non, il est là. Non, non, mais, ah non, mais lui, il est mort. Et Kebel, il le voit, le mort. Ah d'accord, il a quitté le... Non, non, mais il s'était caché sur le bateau. C'est relou, des gens comme ça. Tu veux dire les gens comme nous? Non, non, comme eux. Le fort, il l'aura pas, qu'il laisse faire, quoi. Le bateau tourne et regarde, il est là-bas, l'autre. Mmh. Mais il a fait demi-tour en fait. Je vais aller de l'autre côté pour éviter de se retrouver coincé de nouveau. Sauf qu'à force, on va vraiment arriver en Chine. Et je vais recharger. Je prends pas beaucoup, faut vous en laisser. T'es toute seule là-bas. Je sais. Je lui ai fait des dégâts. J'ai fait péter un baril à côté de lui. Il y a une sirène à côté de moi. D'accord, j'arrive sur le bateau. J'y retourne aussi parce que j'ai commencé à faire les... Je suis sur le bateau aussi. C'est toi qui monte, pas toi. Oui, je suis... C'est lui ? Allez, merci, au revoir. Ah putain, je l'ai eu. Ouais, je l'entends remonter. Putain, il lui a fallu 3 coups de trombone, quoi. Voilà. Et l'autre, là, l'autre, celui qui a porté le canon part. Non, je crois que l'autre, il est parti. L'autre, il est parti. Je vais crever sur l'île parce qu'il y a trop de squelettes. Tu veux que je tire avec un canon? Ken, il est dessus. Non, 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 il faut garder nos boulets pour le... Pour les sloops, parce qu'il va pas lâcher l'affaire. Tant qu'il sera pas à sec, hein, il va continuer. Je vais faire plein de canons, on va faire couler le canon, je sais. C'est que des distants, hein. Il y avait 2 distants et 3 violets. Hein. Moi je vais faire que le foie et après je vais me tuer. Ouais, au oui, moins oui. Pour une heure encore. Je pense que je vais faire comme toi. Bon, il revient là. Bingo. Bah il refait le tour de l'île là. Ouais, mais il va faire que ça tant qu'on aura pas tombé la clé. La carotte dans la foulée quoi. Vu qu'il passe toujours au même endroit et que Thierry dit que si on... J'allais dire on roule. Si on passe sur un baril, il pète. On peut peut-être essayer d'en mettre plein dans l'eau. C'est ce que j'ai essayé de faire. Hein. Ah, t'as essayé déjà? Ouais, mais il a pris un peu de dégâts. Mais... Ah, je suis tué par les squelettes, putain, il y a trop de squelettes. Ouais, il faut qu'on nettoie un peu. Voilà.
qui tire où là? C'est le squelette qui tire sur lui. D'accord, ok. Il va bien finir par tomber à court de balle, de planche quand même. Oh, mais il ira sur l'île et puis il reviendra quand même. Ce sera pas, hein. On sera à court de boulet cette fois-ci. Je vais finir par le faire à l'ancienne. Hein. Ils ont relevé leur voile. Ça m'a fait peur. Ils ont tiré un boulet. Il tire dessus. C'est moi qui monte. Je monte à bord. Je crois que les deux étaient là-bas alors. C'est prêt pour tirer? Pas ça touché? Non. Je pensais que ça toucherait, mais pas du tout. Ouais, laisse courir. Oh. Non, les chats, j'ai pas besoin de votre aide pour jouer, je vous promets. Vole le chat. Il fait des drôles de mouvements son bateau, mais... On a plus de 40 boules, hein. Ouais, je sais. T'as réussi à les atteindre? Oh, fuite en bas. Oh putain, on est que deux. Faut et manœuvrer et lui tirer dessus, là, il y a urgence. On prend l'eau et tout. Ouais ouais, je suis en cours, pas en cours. On va lui dire de se tirer dessus. Je peux pas y tirer et naviguer, c'est impossible. Faut en gagnant. Là je commence à avoir besoin d'aide, j'arrive pas à tout faire. Ouais. Et en gagnant C4, ouais. Plus tirer dessus. Hein. Ils sont meilleurs que nous niveau PVP. Ouais. Faut soit là, les couler en leur tirant dessus, soit voilà, on en prend partout dans la gueule là. Et on peut ni naviguer ni répondre parce qu'on est déjà en mort. Non, je suis pas ronchon, je suis arrivé, j'ai pas envie de perdre. Ça fait 40 minutes qu'on est là, hein. J'ai pas envie de perdre. D'accord. Y'a plus d'eau. Si, j'ai en train de les couper. Ça revient sur l'autre droite. Ça arrive. Sur le bateau. Oui. Ah non, c'est... c'est qui? C'est moi, j'arrive. Y'a la sirène qui a... D'où on a pris un boulet là? Mais c'est eux? Ah, je redescends.
Allez, arrête de te coincer dans les trucs là. Il est tout seul le mec hein. Je l'enchaîne. Ouais, je vois ça. Et lui aussi, il enchaîne plutôt bien, je trouve. Mais soit c'est moi, soit il a... Ah non, il est toujours... Oh là là, on se fait tirer par le flaquet. J'avais marre. Mais il faut aller tuer celui-là qui est sur le pont, la truc en face là. Ah oh, putain. En face là. Il est juste sur celui qui est sur la plage. Il vient sur nous. Il y a encore un putain de trou. Oh putain. J'ai pas aimé mon canon sur la voie de la vigile. Par contre, je sais pas ce qu'il fait définitivement. Je sais pas s'il abandonne. Bec, peut-être juste le temps que son copain revienne. Hein. Ouais, ou tout simplement, il va changer de bateau et que, comme nous on est à sec, il va se faire plaisir. En plus, il fait chier, c'est un légende quoi. On dirait. Allez, hop, faut que je braque entièrement, il revient derrière nous. Non, là, on va tous se les prendre là. C'est bon, j'ai tout bouché. Et je veux bien qu'il y ait, ça avait pris au moins 60-70 boulets là. Sans déconner. Ouais, je l'ai touché. Chercher. Je vais chercher d'autres boulets sur l'île. Mais pourquoi il y en a plus en fait, bah attendez, vu que moi je suis tout le temps en bas, déjà je vais reposer les miens. Mais j'ai posé les miens aussi. Et je vais. On est à 38 boulets. Oh, c'est quoi ça? Baril! Baril! J'ai explosé avec! Il est mort. Non, arrête de tourner le bateau, arrête de tourner, arrête de te barrer. Je vais marquer I have all night. C'est bon, on a rien pris. Par contre là, il nous a dégagé de notre place. Hein. Non, on va revenir. Et il y a quelqu'un sur l'île qui se promène. C'est toi, Ken? Non, non. C'est moi. Ah, ok. Le mec, ah ouais, non, mais là, Ken, ça va pas, là, parce qu'on est en train de se prendre les tirs de la tour, parce qu'on a bougé. Il faut surtout pas la tuer, la tour. Il reste une planche. Il y en a plein sur la. Sur l'île, mais je vais braquer. Il faut juste quelqu'un à la voile derrière. J'y suis. Tu veux quoi? Je l'ouvre. Rien du tout pour l'instant. Il faut qu'on ait fait tourner. Et on va se prendre des boulets de canon boucle là. Je vais. Ah. Non, ça en arrière, il est constamment. Voilà, et demain. Ah, c'est parti. On va se pousser. Vas-y, tu peux ouvrir, feu. Je te l'oriente pas, tu veux pas plein vent? Non. Ouais, juste grand, on ouvre en grand. Et c'est ouvert en grand, c'est ouvert en grand.
ça va en bas ou je descends? Ça va. On va en prendre double dose. Ouais, c'est parti. Je relève la voile quand tu veux. Bah, pas encore. Tu peux la remonter, vas-y. Ah bah toujours en bas. Faut juste faire un rush planche machin sans mourir. J'en ai posé 5. Oh, je suis vite tout, je fais un rush. Vas-y. Ah putain, y'a un trou dans un. Non, il est là. Oh, j'ai mis une cartouche, mais il a... Ah putain! Oui, je sais qu'il est en train de faire tomber l'encre. Ah, mais il faut juste le tuer. Ah. T'en as d'autres dés comme ça? Maintenant que c'est lui qui est sur le bateau et moi qui suis en bas. Je vais y passer. Oui, moi aussi. Putain, on est vraiment nul en PVP. J'ai plus de bananes. Elle est épée surtout parce qu'on va contacter le CAC, c'est le seul truc payable. Et puis maintenant qu'on est mort, il va pas nous lâcher du coup. Bah voilà. Je vais tirer dessus, mais lui il va bien. Mais c'est l'épée en caca. Hein. C'est pas chier. Ah si quand même, quand tu commences, quand t'enchaînes avec tu. Il était où? Sur le pont. Il est tombé. Il est mort ou il est tombé? Non, il est tombé dans l'eau, c'est tout. Squelette sur lui qui nous tire dessus, ça va être le pied. Allez, elle est là. Qu'est-ce qu'on prend encore? Peut-être le mec qui est monté tirer? Ouais, c'est ça. Non, il y a des squelettes en haut. Non, c'est pas le squelette, c'est le mec qui a pris la place du squelette et qui tirait dessus tranquille, humide. Mais il a drôlement une gueule de squelette. Faut qu'on se barre, quand même, de là. Faut lui laisser la gros des squelettes. J'ai trouvé des planches. Et des boulets. C'est vous qui revenez? Oui, c'est moi qui monte. Je vais poser plancher boulet. Le sloop, il revient. Oui, il se sert chez nous pendant qu'on meurt. Je répare que les trous d'en bas, hein, quand même. Pas trop le choix. Faut vraiment qu'on vit cette île, là. Je peux pas tirer, il a fait des trous en bas. Non, mais tire pas, hein. On n'a plus rien, donc. Oh putain, j'ai le...
Bleu. J'ai tué un sur deux. Alors là, vu ce que je alors, prends en bas. Non, je répare, il y a trop alors. J'arrive, je charge des planches. J'en ai plus on posait que 5 hein. J'en ai 5 là. J'en ai plus moi. Toutes celles que j'avais, je les ai posées dans le bateau. C'est-à-dire que si on n'a plus dans le bateau. Non mais là, il y a des trucs partout tout le temps. Mais j'arrive à bon, j'ai un côté. Oh là oui, j'ai un côté. Il va falloir tourner le bateau parce que. J'ai cru qu'il y avait encore un trou. Alors, en planche, il nous en reste 2. 3. Il va y avoir 36 solutions. Bah, il a essayé de nous piquer la cage à poule, il l'a mis dans l'eau. Il est où? Il était derrière nous là, à notre cul. Il y est toujours. Il a passé tous les boulets à côté là. Ah, plus maintenant. C'est au-dessus de la ligne de flottaison. Ça l'est maintenant en dessous. Je suis mort, je me suis fait avoir par des pirates sur la berge. Il est dans le bateau avec moi pendant que j'essaye de décoper. Moi je pensais qu'un baril sur lui. Non, tu manges pas de bananes. Il m'a coincé. Il est en dessous en train de se servir. Putain, merde, j'ai fait A et le seul truc que ça m'a sorti c'est ce putain de saut quoi. Il a dû se demander pourquoi j'ai jeté de l'eau la figure le pauvre. Alors quand ça avait été du vomi, ça aurait été utile. Pas correctement moi le mec. Il va nous avoir en bidon et en se rechargeant sur nous. Hein. Là de toute façon c'est la fin. Hein. Ouais je veux bien là mais cette planche. Vraiment concentré dans PVP. Là, je poursuis là, mais je, il a dit qu'au plus vite que moi. À pied, tu veux dire? Mais non, mais là, en fait, il faudrait qu'on fasse juste deux sur le four et un qui deux sur le bateau, un qui fasse le fort. On aurait eu la clé, on serait pareil. C'est pas possible. Mais j'avais pas revenu. C'est normal. Le mec, il a les jambes là. C'est pas moi qui le ferme sans trop. Bon, là, je devrais l'avoir normalement. Là. Je sais pas trop vers où il est là. À la tour, pas proche de la tour. Oh, putain, il m'a dépassé quoi. Ça, c'est chiant qu'on voit pas le blaze de son équipe pour dire à gauche, à droite. C'est trois quarts d'heure, je nage à peine. C'est bien bizarre qu'il n'y ait pas eu un requin encore.
Le seul moyen, c'est de l'avoir barré là. Là, on va couler. Hein. Faut écoper. Bah, je fais quoi à ton avis? Et quel vous fait? Ok. Oh putain, il se barre. De toute façon, on est encastré, on peut rien faire. On peut peut-être essayer de s'en aller. Je fais plus de gagnant à trois. Jusqu'au 25 juillet, ce sera plus difficile. Et quand tu seras avec Thierry et Philippe, ce sera du galion aussi ou pas? Ah non, je n'irai pas jouer avec. C'est Brécantin à trois qui bouge, ou parce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, patati patata, il faut tout faire, et au final, on ne fait jamais rien parce que voilà, on est trois là, et c'est quatre galions. C'est-à-dire qu'un gagnant contre Sloop, c'est galère. Ça va 5 minutes. Hein. Il faut avoir le endgame de chaque jeu, mais en faire le minimum. Là, je vois même pas. Allez, je vais tenir juste en écopant. Ouais, de toute façon, j'ai plus de planches. J'en ai plus, moi j'ai posé toutes les mines qui restaient. Bah, il y a des trous en bas. Hein. Je fais que écoper en boucle parce que j'ai plus de planches, moi. Par contre, toutes les explosions qu'il y a eu, c'était quoi là? Ça. Un squelette, un tireur qui tire sur un bruit de canon, enfin sur un balle de poteau. Oh là on va couler, là c'est bon. Le rentracier était à côté du balle. Parce que là l'eau elle monte toute seule et moi j'ai pas de planche. Mais c'est déjà au premier étage là, hein. C'est... Ouais, je suis mort, je vais quitter. Hein. Voilà. Ça va s'amener. Voilà, c'est fini. Cassé. Je vais mettre un café. Bon, on va aller se coucher, de toute façon, j'étais fatigué. Tant pis. Au final, c'est le galion qui nous a fait le moins chier. J'avoue. Ouais. Eh ben, c'était rapide. Non, je l'ai pas compliqué. Oh, on a perdu une heure et demie pour faire un foire. On a le droit d'essayer de les faire chier sur l'île maintenant. Ouais, en fait, je me dégoûte. Perdre mon temps, c'est chier. Saleté, mais là j'y arrive même pas. Moi j'ai un problème, j'arrive pas à comprendre comment les gens ils vont se battre alors qu'ils passent à travers. Bon, avant de déco, je vais enfoncer dessus, on est à côté. C'est quoi, c'est un sloop ou c'est un galant qui vous fait chier? C'est un sloop, ça fait 40 minutes. Je comprends pas forcément. Une heure que on le break, c'est un sloop qui nous emmerde. Il y a plein de gens morts. C'est même pas ceux qui nous emmerdent. Juste à côté du fort, je vais prendre le... Ouais, on va leur foncer dessus. Ah oui, on leur roule dessus, puis je laisse le surdu gagnant là, en là-bas. Je vais changer mon gun, je vais passer au pistolet. Moi je sais plus s'il faut prendre un pistolet, les gars. On va y saouler avec le tremblon. Le tremblon, s'il bouge pas trop, quoi, que c'est les mecs comme nous là. S'il bouge partout comme lui là, qui fait des parades et des compagnies, il faut passer pistolet pour le moment aussi. Ouais. Hop, on va prendre le plus possible pour sur moi pour qu'il évite de se servir quand il va arriver. Essayer de prendre le vent.
Mais c'est sûr, c'est terminé. Si on n'est pas 4, je rentre plus dans un seul game. Le 25 juillet, il y aura le Bricantin. Par là-haut, les tours, elles étaient là, donc le fort, les tours sont à droite, normalement, à l'opposé de là où on arrive. C'est ça. Attends. Non, les deux tours sont au nord, donc elles sont à gauche, par là où on arrive. Je le vois, cet enculé, il est garé à droite, non, c'est pas ça. Ah non, c'est un palmier, ça. Ah non, c'est lui, là-bas. Voilà, il est à gauche de l'île, sur l'autre droite. Mec, je vais te rouler dessus, quoi. Ouais, on va rouler dessus. Ah, mais ça m'a saoulé. Putain, j'espère que le Bricantin, il sera aussi maniable qu'un sou. Ça... Mais pas aussi rien. Aussi résistant qu'un galion, sinon tu pourras jamais les couler. Tout le monde fera des équipages de 3. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les équipages squelettes sur les bateaux. Là. Ouais. J'ai quoi sur moi là? J'ai rien pris. Putain, je vais me servir pour éviter qu'ils en prennent plus. Ah oui, on part là. Voilà, il reste 10 planches. Moi je suis full. Voilà. Et je vous suis. Ken, tu lead? Ouais, légèrement plus le temps de venir la gauche. Ouais, je vais en bas. Ah mais je leur fonce strictement dessus, hein, quelques euros. C'est ma place de parking, je me gare à leur place. Hein. Ça continue oui, comme ça. Oui, place de parking. Moi, je bouche les trous de la place de parking. Est-ce qu'il y a la tourelle qui va nous empêcher d'y aller ou pas? Ouais, un peu. Ok, alors on va braquer un peu à c'est gauche. On tient légèrement vers la gauche et ensuite okay. Tu piques. Ça marche. Braque à droite là, plein pot. En espérant pas me faire éjecter pour un boulet. Je te dis dès que t'es dans un dérèglement. Vas-y, go go go, il commence à se barrer. Ouais. Redresse. Gauche, 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 gauche. Ouais, je braque, braque, je suis en train de courir. En train de courir, en train de braquer. Ouais, il se barre. Eh hey, regarde, ils ont déjà fait le fort. Comment ça, ils ont déjà fait le fort, c'est pas possible. Rien. Regarde ce qu'il y a. Jeter l'encre. On a pris un baril. Ouais, ouais. Jette l'encre. C'est impossible, on a même pas fait. Ah ben non, c'est les nôtres. Ah oui, c'est nos affaires, oui, d'accord. Je pense, c'est vrai qu'on avait qu'à foirer en plus. Non, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. On relève toutes les voiles, j'imagine.
je relève l'ancre. Oui, ça n'est pas trop mal là. Vous dites hein, quand j'entends un bruit d'eau, si je sais pas qui c'est. Je reviens vers le bateau avec un crâne à nous. Voilà, c'est moi. Et voilà en face là, nickel. Voilà en face. Ok, vu. Ouf, le bateau il tourne bien à gauche là. À droite en fait. Ouais, à droite. Ils sont repartis à l'avant-poste, je suis sûr. Tu fais les squelettes, Ken ? Ouais. Là, oui, c'est barré le bateau. Ouais. Je ramène ce truc en or, puis je vais déken. Quitte à l'acheter dans l'eau. Du coup, j'ai fait deux vagues, je crois, moi. Ils sont vachement loin de l'avant-poste et ils relèvent déjà leur voile. Parce qu'ils y vont tout doucement, quoi. Ouais, c'est parti. J'arrive, Ken. Là, ils vont à l'avant-poste, en fait. Putain, enculé. Parle gentiment à Ken. Non, c'est pas Ken, c'est que... Il faut que je mette à côté de lui pour qu'on puisse faire coup par coup, pour que c'est les OS presque. Ouais. Ouais, attends. Déjà là, c'est coup qu'on a pris là. Ouais, ouais. On s'est fait enchaîner. Les boulets, ça repop, il y en a trois là. Oh, ça repop les bananes, donc ça fait une heure et quart qu'on est là. Cool. Dehors. Faut que je bouffe une banane, je vais mourir. Suisse. J'arrive, je rentre avec toi. Perso était en train de se coinfrer. Donc il a roté, vomi, la totale. Ouais, sur les attentes et les escaliers, ça passe. Hein.
l'intérieur. J'ai un baril pour le chef. Je les vois pas ressortir de leur avant-poste pour le moment. Le sentier est dehors. Arrête de manger des bananes. Ils ont faim, les quelettes, ils ont que la peau sur les os. C'est pour ça qu'on voit que des nanos. Encore intérieur, en haut. On se met une escalier chacun. Dehors, juste à droite de... Enculé... Je suis tellement énervé, je mange pour les autres quoi. Pauvre squelette. Ça pop dehors. Je suis. Ah bah tiens, parfait, ici. Capitaine, non ? Ah oui. Eh ben déjà. Je veux voir ce que va me dire Flo. Alors ? À l'avant-poste, j'ai rien vu ressortir depuis tout à l'heure, rien bougé. Là, je surveille à fond. Bon, on va tenter. On prend crâne et place forte. Mais le reste, si on peut, on prend, mais sinon, on s'en va, on s'en fout. Oh là ! Il y a un milieu, un coffre au mille grog. Ça. Moi je surveille. Hein. Oh, on pose tout sur le ponton. Le ponton, ouais. Ouais. Donc, pas. On a les deux trucs les plus importants qui nous fait monter plus la répute. Je crois que je vais me mettre sous Xanax pour éviter de râler en boucle. Ils reviennent. C'est bien ce qu'il me semblait. Oh non, on se casse pas. En tout cas, ils sont sortis de derrière leur avant-poste et ça y est, là ils tournent vers nous. Voilà. Donc on va prendre 2-3 trucs encore. Et Flo va juste se préparer à tourner sur le côté gauche. Là. Prends les pistes noires si tu peux. Je commence à tourner sur la gauche là. Bah, quand ils seront vraiment proches, ouais. Bah, ils arrivent vite, hein. Bah, écoute, moi j'ai pris les pistes noires. Tu veux que j'aille en direction de l'avant-poste, c'est ça ? Non. On va mettre les voiles pour se barrer, mais... D'accord, je me mets juste en parallèle de l'île, quoi. Ouais, c'est ça. Dès que j'arrive à attraper la barre, c'est presque bon. Au pire des cas, mettez les voiles. Hop, et Ken, il est là ? Ken, tu pilotes ? Ok. Je vais cacher les loots. Et au pire des cas, on fera comme d'habitude. Tu me donnes
j'ouvre les voiles et tu pars. Casse-toi. On regardera la carte après, quoi. Voilà, le vent, t'as pas, tout simplement. Alors, si tu veux du vent, bah, tu l'attrapes. Sinon, tu te mets à... soit plein vent pour te barrer vite, soit contre-vent, et ni l'un ni l'autre ne pourront jamais se rattraper. Et on va faire des dépôts avant-poste, tu vois, il y en a qui va se jeter à l'avant-poste, et ainsi de suite. Je vais réparer. Fais gaffe, ce que ça veut dire que t'es tout seul, hein. Bonne nuit. C'est clair. Et voilà. Ça va? C'est ras? Bon, en bas, c'est ouais, bon. Ouais. On s'est pris une bordée, mais ça passe, tu vois. Tant qu'il fasse demi-tour, moi j'ai le droit, j'ai le temps de me mettre face au vent. Et... je tourne les voiles. C'est-à-dire que si on veut récupérer le reste là, on pourra couler le. Notre bateau, tu veux couler notre bateau? Ouais. Bah une fois qu'on aura délivré tout, oui. Tu sais, on peut sauter à deux, hein, un qui pilote et deux qui vont vendre à l'avant-poste, hein, c'est mixé. Hein. Ouais. Faut juste être sûr qu'ils aient pas mis quelqu'un sur l'avant-poste avant nous. Bah si, on va à un avant-poste qui est en avant de la course-poursuite. Mmh. J'ai presque fini de cacher, j'arrive. Ah, il y a quelqu'un. Bah fonce vers l'avant-poste, au pire nous on va aller déjà vendre quelque chose, comme ça on sera ouais, assuré. Il fait le tour de l'île. Oh oui, il est là. C'est la grosse île devant nous. Je crois qu'on y est. Oh je suis mort, et comment il m'a tout shoot. Ouais non mais depuis tout à l'heure hein. C'est pas grave, en bas j'ai laissé deux crânes et un bigot. Donc s'il voit pas le reste c'était juste trois caisses rouges et deux crânes. Ouais. Mais ma sirène à pop. Speedy de step, ok. Ah c'est pas lui. C'est un autre salut. Ils se sont arrêtés là-bas. Ils ont même relevé la voile. Au fort ? Au fort, ouais. Ouais, ouais, bah laisse les courir, tu. On va sur un avant-poste, sur un vent. Bah là, on y est arrivé. Bah s'ils nous suivent pas, hein, on va ancrer. Hein. Il est de l'autre côté, le ponton, si on veut vraiment... Mais les marchands, ils sont sur la plage, là. C'est celui-là qu'on aime bien, là. On se garde devant. Pour le moment, il bouge pas de là-bas. La voile est toujours relevée. Mais après, on y va pour le couler. Ah bah oui, mais là, pour le moment, on se booste, quoi, comme d'hab, non? Ouais, ouais. On va... que c'est pas trop mal, là. Attention aux bancs de sable. C'est ok, il y a des bancs de sable, oui. On reste tout droit, là. Faut pas plus droit. Ouais, ah, arrêtez. Le temps que je... pose l'encre. Je viens de t'aider. J'ai bouché, quoi. C'est bon. Non, c'est bon. Commencez à amener les deux gros trucs. Je m'en occupe. Tant que je contrebraque, c'est déjà. Non, c'est pas grave. Hein. On sait que c'est un cargo, ce machin, c'est chiant. Oh, il y a des trucs partout. Il y a urgence, en fait. Moi, je suis sur l'île. Hein. Non, c'est bon. Voilà, pour l'instant, c'est premier niveau. Et je bouche dans les trous, ça va le faire. Oh, mais tu m'as gêné. Voilà, c'est bon. Ça fait encore beaucoup de bruit d'eau. C'est les fouilles en fait. Ouais. Les puces noires, non? Ah oui, les puces noires, ouais. J'y vais.
reste deux trucs d'or et un crâne. Je m'occupe de remonter les voiles et l'ancre. Voilà, 2, 4, 5. Ah, l'épice noire, oui. On a fait 7000 là. J'ai transpercé Ken. Il revient. Il arrive ? Non, non, Ken, il revient. Ah. Je sais plus où est le fort. C'est derrière nous ? Derrière l'île. Ah oui, c'est ça. Donc on le voit pas. En sud-ouest. Il est en sud-ouest. Prêt pour les voiles ou pas encore? Mais dès qu'on aura le nez vers Devil Rise, ce sera bon. Allez, allez, allez. Reste pas beau. Je pense que ça devrait être bon pour commencer à naviguer. Bon, là, faut vraiment qu'on lui roule dessus. Sinon, c'est pas marrant de partir. Ouais, je le vois là-bas. Ils y sont plus. Si, regarde. Il y a un mât derrière. On voit la voile. Je regardais qu'à moitié. Vraiment que je m'entraîne avec ce pistolet. Il se barre, non ? Là, il se barre, oui. Ah, oh, arrête de bouger la mer. Tu veux aller sur l'île voir s'ils ont trouvé les trucs que tu avais cachés ? Les trucs que j'avais cachés, dans ce cas, il faut les poursuivre au cas où. Je vais aller voir, c'est au rez-de-chaussée, derrière la palissade. Je vais voir. Je laisse la barre. Ken, je la tiens pour le moment, mais dès que tu peux, bien que tu viennes l'arbre en moi. Parce que moi, je suis pas doué avec. Moi, je prends des cailloux, des îles. Je les vois franchement. Quoi. Bah, c'est bon. Je vais te les chercher. Ah bordel. Je me coince partout ce soir, c'est une horreur. Ouais, je les vois même pas, t'as qu'à voir. Qu'ils auraient sabordé, c'est con. Non, je les vois. Ouest. Putain, ils sont vachement loin, comment ils ont fait pour nous mettre un vent pareil? Pas les envisager. Oh là là, vraiment. Ah non, il y a encore les trois épices, le coffre et un crâne. Tu veux qu'on revienne alors? On laisse tomber. Ils sont un peu à l'autre bout de la map là. On va revenir. Ouais, tu peux monter là. Bah, t'as braqué là? Ouais, j'ai braqué. Hein. C'est parti pour l'an. Il est où Hubert? Vas-y, relâche. Nickel. Il est où qui? Hubert.
deux heures parce que les barils de poudre on voit pas. J'arrive, je prends deux heures. Bébert, tu l'as pris. Tu vois. Déplacer le doigt. Comme tu veux. Bah, par où tu veux. Maintenant, il n'y a plus de squelette. Alors, le côté qui te plaît. On va arriver par ce côté. Non. Donc, on peut repartir directement pour l'avant-poste. Instant. Hein. Lâche. Bah on va nager, hein. Qu'est-ce que je te dis. Oui. J'ai sécurisé la vie. C'est juste en haut. Par contre, vous comptez. Là, tu peux pas du sale au rez-de-chaussée. Là où personne ne regarde jamais. J'ai rien compris d'où c'est. Moi. Mais viens dans la tour du capitaine. Ouais. Je vais voir si c'est autre. Voilà. Là où personne ne regarde jamais. Ça fait le quatrième floor que je cache ici. Ah oui, d'accord. Mais vraiment collé contre le mur. Et puis les crates, tu les mets sous les. Oui, sous des trucs pour pas qu'ils soient lumineux. Voilà. Ouais. Et hop là. Et ça fait quelques fois que je fais ça. Je sais plus avec qui c'est que je l'ai fait avec toi, Kenmo. Ça devait être avec Silver. Hop, je vais le poser sur la bordure de l'eau. Puis on va faire d'aller-retour que. Et puis, ah si, j'ai caché la clé là aussi. Et pourtant elle est lumineuse. Hein. Je fais les allers-retours jusqu'à la plage. Non, tu fais cela. Il est après mon crâne là, il restera un coup. Je crève de chaud quoi. Moi j'ai mon ordinateur qui est en train de griller un pied. Je pense que c'est pour ça que ça m'énervait. Comme j'allumais de la lumière, je peux pas ouvrir les fenêtres, je peux pas faire de courant d'air. Sinon, ça va être la foire aux moustiques. Même s'il me pique pas, entendre. Moi, une nuit, j'en avais tellement marre de me faire bouffer. J'étais piqué de partout. Clément, il n'avait rien. J'ai entendu un bzeu, je me suis réveillée. J'ai allumé toutes les lumières et j'étais en train de secouer mon coussin dans tous les sens. La tête de Clément en train de râler. Mais je veux dormir, je n'ai rien à foutre. Moi aussi, je voudrais dormir. En plus ils se prennent dans la barbe alors tu les sens là de chatouiller là. Ah oh. Y'a plus rien. Non, j'arrive avec un baril, il était à côté, j'en profitais pour le prendre. Et un galion, bon, on s'en fout. Bon alors c'est fini. Ça fait joujou. J'aurais. Bah oui, à Free, il n'y aurait pas eu de baril à côté de moi, j'aurais pas dit qu'on clique droit. T'as vu Free, tu peux les allumer. Ah oh, waouh. Par contre, Dracy, il a tendance à vraiment faire le con avec les barils. Bah je lui dis aujourd'hui, comme ça. Bah, la dernière fois, c'était avec toi, Ken. Il sait très bien qu'on tire à travers le bois et qu'on peut tuer les gens sur la vigie. Bah il a tué Ken comme ça, alors qu'il le sait, on l'a fait plein de fois à Thierry, donc c'est pas genre une nouvelle découverte ou quoi que ce soit, quoi. Il a sorti la même excuse que la dernière fois. Je savais pas, j'ai essayé. Ouais, non, bah non.
Ouais, j'habiterai plus. Alors qu'en plus, on en avait besoin. C'est ça, il y a fait péter tout le travail. Non, mais en plus, on en avait besoin pour la quête, donc on en a retrouvé. Mais sur le coup, tu fais, ouais, t'as raison, on a besoin de ça, quoi. La prochaine fois, il se fait kick-kick, c'est tout. Voilà. Non, tu peux pas le kick, faire que prison, mais il va licher. Non, la prochaine fois, tu lui donnes les 4. Il y a Ken, Mute, Pierre, Paul et Jacques. On est 4 sur un slope. Voilà. Où tu dis qu'il y a Ken, Mute et Nicolas et Paprenel. Ouais, c'est doudour, là, je voudrais aller voir. Comment ça va y aller? Maintenant, j'ai faim. Oh. On lève la voile avant et c'est ça, non? Ouais. Lève la voile sans tension. 1, 2, 3, 4. La voile de devant aussi, ou celle-là tu la veux encore? Ouais, la voile de devant. Je suis en train de compter combien y a de trucs. Mais oui, bébé. T'as un gentil chat. 4, 5. Boum dans les dents haïtiennes, allez, plaou. Tiens, ça c'est pour m'arnaquer quand je te vends des coffres. Et ça c'est parce que c'est pas assez cher. Et toi avec ta malédiction et tes crânes, tu me saoules. Et toi, je comprends pas. De toute façon, c'est fini. Hein. Tu pouvais te garer sur la plage, c'était pareil. Mais là, on va de dos. Là. Il veut s'entraîner. On est un peu loin, non, là? Oui, en plus, tu sais, j'ai eu le point de mettre à côté du ponton. Ah, mais j'ai entendu là, je crois. Ah non, 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 on n'a rien dit. Non. Oh, j'ai lâché, du coup. Oui, ça en a vu. J'ai eu On pouvait faire boys parce que je suis crevé. Oui, bah oui. Deux choix, j'ai qu'une seule envie, c'est d'éteindre ma lumière là, d'aller dans ma piole, d'ouvrir là, toutes les fenêtres chez moi et de terminer quoi. Demain je me réveille, j'ai le zizi congelé parce qu'il faisait trop promu de la nuit. Ah, c'est pour ça que t'as besoin de Queenie. Bon. Je suis bien tout seul dans mon lit. C'est pas ça que je pensais, bon, mais bon. Oh, même à part mon affaire, hein. Oh, il la jette du lit, il la pousse, elle tombe par terre, il peut pas dormir sur le canapé. Je me lève, je vais fumer une clope, je vais manger, je vais mater un film, une série. Ouais, il arrivera plus tard. Okay. Ah. Je suis pas câlin, je suis pas bisou. Eh ben. Non, puis surtout après, quoi. Ah non, mais au quotidien, hein. Ma fille elle veut tout le temps des câlins, elle agrippe-toi quoi, s'en suit, vas-y, mais je veux pas te tenir en boucle quoi. C'est pas la bonne question. On dit pas à sa fille que c'est une sangsue. Oh bah tiens, je marche là, elle accroche la jambe, je suis sûr que c'est tellement bien accroché que je pourrais même pas l'acheter. Bon, c'est fini. On dirait bien. Y'a plus rien là-haut de toute façon. Bah non, de toute façon, on a coulé là. Ouh, en tout cas, on s'est bien mangé. Ouais, on a réussi à le faire au final. On l'a fait, mais on carotte la moitié du fort sans y être présent. Mmh. Au final. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, après, les sirènes, bon, On en a fait beaucoup de rouges, c'est sympa. Bon, on en a fait pas mal des rouges. Surtout tous les deux. C'est sûr que le galion, s'il y a un fort, si on n'est pas quatre, c'est vraiment compliqué. J'avoue. Donc je vais manger quoi, hein? Je crois que j'ai de la ligo qui m'arrive à faire chauffer encore. Ah, moi je déco parce qu'il va me donner envie de vomir. Pour aller me coucher. Ah ouais, non mais pas à minuit, une heure du mat, quoi. Oh non. Il y a pas d'heure pour manger. Bande d'insomniaques. Oh là là, je vous jure. Ouais, une tartiflette faite que tu as préparé la veille. De toute façon, je vais manger parce que je sais pas ce qui va se passer si je mange pas. Tu
Tu vas te lever pendant la nuit, tu vas te dévorer les moustiques. Je vais retâcher la dalle, quoi. Un jour, j'ai fait 3 paquets de gnocchi, là. Je disais avec Abby qu'il fallait que tu te stream en train de manger des quantités astronomiques. Ça marche très bien aux États-Unis comme vidéo. Oui, mais après, je vais me faire insulter. T'as vu comment j'ai fait 69 kilos, là. J'ai vu une dame aux États-Unis, elle était limite anorexique à sa taille. Elle a bouffé 400 ailes de poulet en moins d'une heure, je sais plus combien là. Tu la regardes, tu dis comment t'as fait ça? Tu les as mis où? T'as avalé, t'es sûr? Putain. Elle a gagné je sais plus en combien plus... de milliers de dollars en plus là. En plus, ce week-end, on a mangé chacun une entrecôte de 600 grammes au barbecue. Mais des patates. Et un dessert et un apéro. Oui, ouais, et avant on a mangé les saucissons et compagnie et tout ça. Bah oui, sinon ça a du mal à passer quoi. C'est... Bah oui, c'est la base. Pas huilé, ça glisse pas en bas. Ah ouais, c'est ça. Là, Thierry, on l'aurait déjà tué, il serait en PLS. Les fruits, s'ils passent une semaine chez ma famille, ils meurent. Y a pas de légumes chez moi. Pas de légumes. Patate, c'est un légume. J'aurais dit non, c'est un féculent. Oh, c'est plus un légume que de l'entrecôte. Dans les régimes d'alimentation, c'est pas considéré légume. Parce que mon médecin m'a dit tu manges des légumes pour ton transit intestinal. Ouais, des patates et des pâtes. Non, ça c'est les féculents. Ah, ben non. Oh, il meurt chez moi. Les légumes, c'est optionnel. Hein. Eh ben. On mange le végan, mais on mangera pas ce qu'on mange. J'ai pas dit une connerie, je l'ai pas dit. Parce que j'ai dit des légumes, si, hein, dans ma famille. Ma grand-mère, à l'hosto. J'ai pas dit. Ah. Sur ces paroles, on va s'arrêter là, je crois.